Alléluia. Voilà. Hier, nous avions, le soir, nous avons étudié les quatre bras de l'évangile. Les quatre bras de l'évangile. Hier, nous avions compris qu'il y a un seul bras qui est l'évangile. Le bras de l'éternel, c'est l'évangile. Quand Dieu veut se révéler aux hommes, c'est par son bras qu'il se révèle. Or, le bras, c'est la révélation du mystère caché. C'est pas le bras de l'éternel qui sauve les hommes. C'est pas le bras de l'éternel qui révèle sa puissance. C'est pas le bras de l'éternel que la sainteté de Dieu est manifestée. C'est pas le bras de l'éternel que Dieu, c'est-à-dire Dieu arrache les âmes qui sont sur le chemin de la perdition. C'est pourquoi hier nous avons dit que le monde entier, la création entière, attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est nous, ces fils de Dieu, qui sommes appelés, nous qui avions reçu la révélation de la parole, la révélation de l'évangile éternel. C'est nous qui avons reçu ce mystère, cette révélation, pour communiquer aux autres qui n'ont pas encore accès à l'évangile. Hier, nous avons compris que l'ange qui volait du haut des cieux est en réalité l'aigle qui fait partie des quatre bras de l'évangile, des quatre faces de l'animal qui, ou bien l'un des animaux que Ézéchiel a vu. Alléluia. Et nous nous montons dans les airs pour prendre l'évangile. C'est ça la prédication, l'inspiration. Nous descendons sur la terre pour révéler le bras de l'éternel. Et les gens voient Jésus en nous et glorifient Dieu. Et vraiment, le Seigneur nous a enseigné d'avoir un bon comportement au milieu des bails pour qu'ils voient nos bonnes choses. Ça, c'était déjà lundi soir. Donc, ce matin, après l'explication des quatre bras, des quatre faces, les quatre langages, révélation, connaissance, prophétie, doctrine, les quatre colonnes. Hier, nous avions compris, selon Ézéchiel, que dans le temple, il y a un rideau, déjà au niveau, c'est-à-dire du parvis, voilà, il y a un rideau. Et il y a le rideau n'était pas seul, il y avait quatre colonnes. Donc, nous avions dit hier que le rideau, c'est comme un voile. Or, le voile, c'est le mystère, c'est la lettre. Le voile, c'est ce qui est caché. Le voile, c'est la confusion. Le voile a caché la révélation. Or, sous le voile, il y a quatre colonnes. Ces quatre colonnes sont les quatre faces de l'évangile, les quatre bras de l'évangile, les quatre manières d'interpréter la parole de Dieu. Donc, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons ôter le voile. Le voile doit être ôté avant de voir les quatre colonnes. Or, le travail qui consiste à ôter le voile, c'est ça que nous appelons l'interprétation. Lorsqu'on interprète la parole, on révèle la parole, le voile qui cachait. Ce voile aussi était sur Moïse. Ce voile était sur Moïse jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin, la lumière, se révèle. Et c'est là que le voile disparaît. Parce que c'est en Christ que ce voile disparaît. Donc, nous nous révélons, quand on fait l'interprétation, la révélation de la parole, ou bien la révélation des paroles de Dieu, nous sommes en train d'enlever le voile de la lettre pour que Christ soit vu, pour que le monde entier, la création entière, voit la lumière et la révélation du Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier, nous avions reçu l'enseignement sur le premier bras qui est la révélation. Voilà, voilà l'explication qu'on a donnée sur la révélation, etc. Mais je vais donner une particularité sur la révélation. Dans la révélation, hier on a parlé de quoi? Les symboles, des figures. Il y a des ombres, notez. Dans la révélation, nous avons l'application des ombres. Donc dans la révélation, nous avons l'application des ombres, des figures. On a dit ça hier, mais je répète encore. L'application des ombres. Quand on dit ces choses étaient l'ombre des choses à venir, dont la réalité en Christ, ça c'est quel langage? C'est la révélation. Vous voyez, c'est ça, c'est le langage de la révélation. Qu'on utilise pour révéler une doctrine. C'était l'ombre des choses à venir, dont la réalité en Christ, dont le corps est en Christ. Comment on peut comparer? On peut dire que les choses qui étaient avant Christ, en réalité étaient des figures, dont la réalité ou bien le corps est Christ. Ça montre que ça, c'est la révélation. Ça, c'est figure du style. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a application de quoi? D'ombre. Application. Qui veut faire la lecture aujourd'hui? Si le frère Lucas.
Dans la révélation, nous avons l'application des ombres, des figures, des images, des types. Vous voyez souvent dans mes enseignements, je dis le type, vous ne le voyez pas souvent. Oui. Jonas est le type de Jésus. Vous voyez? Le type, c'est que c'est lui. Ça dit, la personne est une image qui symbolise, qui représente. Vous comprenez? Oui. Quand on dit le type, on comprend en même temps que on peut dire que Joseph c'est le type de Jésus. On comprend en même temps que l'ancienne chose représente la nouvelle chose. C'est pas forcément sur Jésus, on peut voir sur n'importe quoi dans la Bible. Voilà, le type. Les deux sont similaires. C'est comme, voilà, les types sont comme le parallélisme en mathématiques. C'est ça le type. Les deux sont similaires, sont semblables. La similitude. On peut aussi dire triangle semblable, etc. Similitude ou bien et parallélisme. Vous voyez? Voilà. C'est ça le type. Les deux sont similaires. Nous avons l'application des ondes, des figures, des images, des types, etc. On peut voir. Un animal peut être le type d'un homme, le type d'une doctrine. C'est comme l'hippopotame qui est le type même de la sagesse, de la création, de la sanctification. Vous voyez? C'est comme aussi le lion qui est le type même du jugement de Dieu, ou bien de la puissance, de l'autorité, ou bien de la domination de Dieu. L'agneau est le type de l'amour de Dieu, de la douceur. Du lait, du miel. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Un arbre peut être le type d'une doctrine, le type d'une œuvre. Hier, on a compris que l'amandier est le type de l'horloge prophétique de Dieu. Donc, quand on dit amandier, on peut, en voyant l'amandier, on trouve déjà, on comprend déjà l'horloge prophétique de Dieu. Donc, c'est comme ça les choses sont. L'application des types, des hommes, tout ça. Que la gloire soit due à Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez reçu ces notions maintenant. Après ça, parlez pas prophétie. Notez. Parlez pas prophétie. Il y a des versets, on peut vous donner. Ce sont des choses, l'homme des choses à venir, de la réalité en Christ. Colossiens 2. C'est aussi dans Hébreux, quelque part, on dit que c'est des. Et la loi possède une homme des choses à venir et non les actes. Représentation. Donc, les types ne sont pas les actes représentation totale. Mais on voit que les types comparent. C'est pour la comparaison, fait les types. Vous comprenez? Donc, on voit que ce que les types comparent là, les choses ont les éléments comparables ou bien qui ont été comparés par les types, c'est-à-dire ont les mêmes caractéristiques que le type. Mais ces éléments que le type compare ne sont pas le type dans sa nature. Vous comprenez? C'est clair? Voilà comment les choses sont. Hier, je disais, on peut venir parler du sycomore. Qu'est-ce que le sycomore explique? Ah, le retour de Jésus. Donc, on entre dans les choses, on ne peut pas avoir des révélations. C'est ça la révélation, en quelque sorte. C'est caché et on doit révéler. C'est ça, l'Esprit de Dieu doit nous donner la révélation de la parole de Dieu. Qui est d'abord un langage, qui est tous les quatre langages, mais précisément le langage de la révélation. Gloire à Jésus. Alléluia. Parlez pas prophétie. Ah. Oh. Là, on fait connaissance. Sinon, j'avais mis à tout. Je n'ai pas mis tout. Je n'ai pas classé tout en ordre ici. Donc, on fait selon 1 Corinthiens 14, verset 6. Tu peux mettre connaissance, parlez pas connaissance. Parlez pas connaissance. Voilà.
C'est bon? Parler par connaissance, virgule, noté, au fur et à mesure, tableau. D'une manière réduite. Hein. Ah, voilà. Ah, vous êtes intelligent, vous êtes séparé. C'est bon, c'est très bon. Parler par connaissance, c'est interpréter la parole. Ou bien interpréter un sujet précis dans la parole, un sujet précis de la parole. Parler par connaissance, c'est interpréter un sujet précis de la parole. Un sujet précis de la parole dans son sens contextuel. Virgule littéral. Historique. Non, on a l'air littéral dedans. On peut l'utiliser pour expliquer, mais il y en a expliqué quelque chose, le voir. Donc on ne va pas mettre dedans. D'autres vont dire que non, ça c'est pas connaissance. Ils vont enseigner la lettre qui tue. Donc on ne va pas utiliser le mot littéral. Là. C'est compris, non? Dans son sens. Dans son sens contextuel. Historique. Je prends par exemple l'histoire de David et Goliath. Je commence par interpréter. Je donne la connaissance exacte de ce qui s'est passé. Je donne des leçons, pas d'autres versets bibliques, d'autres paroles qui ne sont pas révélations, mais qui sont des histoires textuelles. Et j'explique que ça, je libère une connaissance qui est liée dans la Bible. Parlez pas connaissance, vous comprenez déjà. Ou soit, je suis en train d'enseigner. La connaissance est la première, c'est-à-dire la première notion liée à ce qu'on veut interpréter normalement. Le premier, c'est pourquoi je dis souvent que Jésus a beaucoup parlé par connaissance lorsqu'il parlait en parabole. Mais nous, il nous a donné la grâce de parler aussi par révélation concernant ces paraboles, de parler aussi par prophétie. Par exemple, la parabole qui dit. Le blé et l'ivraie sont ensemble. Il y en a compris le blé et l'ivraie sont la révélation. Nous avons compris que, non, il y a la bonne semence, c'est la foi. C'est ça la parole. Et la mauvaise semence, c'est la loi. Les deux croissaient ensemble quand Jésus était sur terre. Mais à la croix, la loi a été détruite, ce qui est l'ivraie, et a été brûlée au feu. C'est pourquoi le corps de Jésus, la chair, le péché dans la chair de Jésus a été brûlé au feu. À la croix. C'est pourquoi vous allez voir le serpent des reins enflammé, embrasé. Est-ce que vous comprenez pas? Vous comprenez? Parce que la chair, le péché était dans la chair. Or, le péché, la force du péché, c'est la loi. Donc, la loi était engloutie dans la victoire. Elle était mise au feu. Comme la parabole qui dit que on va jeter l'ivraie dans le feu à l'heure de la réformation, avant la moisson. Et le blé sera mis dans le grenier. C'est pourquoi le blé, c'est pourquoi à la croix là, l'esprit de Jésus n'avait pas été crucifié. C'est la chair qui a été crucifiée. C'est pourquoi il y en a compris. Vous avez compris clairement que on ne peut pas crucifier l'esprit. L'esprit doit être sauvé. Donc la chair a été détruite pour que l'esprit soit sauvé. Vous voyez? Donc ça, c'est pas révélation. Mais quand on va expliquer par connaissance, comme Jésus l'a expliqué, Jésus a parlé littéralement. Par connaissance, c'est quoi? Quelqu'un est venu s'aimer dans son champ. Dans le champ. Son ennemi est venu s'aimer livré. Maître, pourquoi as-tu laissé l'ivraie être semé dans ton champ? Pourrons-nous arracher l'ivraie? Non, laissez les deux croître. Au jour de la moisson, il y aura séparation. Le blé sera mis dans le grenier et l'ivraie sera mis dans le feu. Ça, c'est la connaissance littérale. Ça c'est une connaissance basique. Mais pour interpréter par connaissance, j'explique. Où est les comptes? Les contes qu'on fait, c'est ça, le parler par connaissance. Je commence par décrire, tu vois, l'ivraie n'est pas bon. L'ivraie est mauvais. L'ivraie, c'est l'ennemi du blé. Donc, j'utilise ce qui est basique, littéral, et je commence par expliquer, interpréter. Sans aller dans la révélation, sans aller dans la doctrine, sans même. Or, il y en a compris que le blé, c'est quoi? Le blé, c'est la foi, la parole.
la mauvaise semence est livrée. Or, on a dit livrée, c'est d'abord la chèvre qui brûlait au feu. C'est ça la loi qui brûlait. Donc, le feu, c'est pour l'actualité. Donc, ça, c'est la révélation. Est-ce que vous comprenez les choses? Et quand on entre dans la connaissance, on tue l'histoire et on explique. Vous voyez, ceux qui savent raconter des contes là, des histoires sont bons gars de parler par connaissance. C'était dans. Moi, parfois, ça m'arrive de parler par connaissance, mais pas trop. Parce que si je parle trop par connaissance, il y a certaines choses que les gens ne vont pas comprendre. Parce que c'est littéral. C'est des choses que vous connaissez déjà. Mais vous voulez encore connaître. Si par exemple, l'histoire là, tu viens me voir pour dire, toi, c'est là, explique-moi l'histoire là. D'abord, je commence par connaissance. Mais je ne vais pas trop durer là. Parce que c'est Yallah. Tout le monde connaît. C'est Yallah. Est-ce que vous voyez? Mais je vais utiliser les trois autres langages. Par révélation, doctrine et prophétie. Maintenant, doctrine, on voit que dans la doctrine, la première semence, le blé, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance qui existait avant la loi. Je vous explique. Melchizedek était venu apporter le pain et le vin à Abraham. Or, le pain et le vin, là, c'est symbolisme d'alliance. Vous allez comprendre que Jésus à la croix a apporté son corps qui est le pain et son sang qui est le vin. Or, Jésus est l'inaugurateur, l'instituteur de la nouvelle alliance. Ce n'est pas à la croix que la nouvelle alliance a été d'abord tissée. C'était préfiguré par Melchizedek, la rencontre de Melchizedek avec Abraham. Donc, ça, c'est par doctrine, nous disons que le blé, c'est la nouvelle alliance qui existait avant la loi, avant l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance est devenue livrée. Parce que l'ancienne alliance est venue après la nouvelle alliance qui existait par préfiguration avant même l'inauguration à la croix. Donc, il faut ôter l'ennemi, non? L'ennemi brûlait encore. C'est ça l'ancienne alliance qui est livrée. Qui brûlait encore comme au feu, la chair du feu, la mèche qui brûlait encore. Il faut que cette mèche brûle, brûle, brûle jusqu'à la croix. C'est pourquoi cette mèche a continué de brûler le corps de Jésus. Ah, c'est pourquoi on dit que le corps de Jésus a été livré au feu à la croix. C'est ça, on parle de serpent des reins enflammés. D'autres parlent de l'agneau rôti au feu. Donc, par doctrine, le blé, c'est la nouvelle alliance qui existait avant l'ancienne alliance. Vous comprenez déjà pourquoi on dit que ça existait avant l'ancienne alliance. Ah ouais. Et l'ancienne alliance, c'est l'ivraie qui est venue renverser la nouvelle alliance. Mais Jésus est revenu détruire le feu, éteint le feu après la croix pour pouvoir allumer maintenant un nouveau feu qu'on appelle le feu de la nouvelle alliance qui existait avant l'ancienne alliance. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez, ça c'est quel langage? Doctrine. Là, Jean, je ne peux pas expliquer le sacerdoce lévitique, c'est ça l'ancienne alliance. Ça, Jean, dans la doctrine pure. Mais si Eden, quand, et je ne peux pas parler du sacerdoce royal, ça c'est la doctrine. Vous comprenez déjà? Le premier, j'ai juste dit la foi. Je n'ai pas tout expliqué. Dans la révélation, on n'en parle trop dans la doctrine. Mais on révèle la doctrine et on s'arrête là. Mais la doctrine maintenant va donner un autre nom de ce que la révélation a dit. La révélation a dit que la foi, la loi, non. Or, dans la doctrine, nous savons que la foi, c'est pas la nouvelle alliance que la foi existe. Ça, c'est la doctrine vient donner la vraie définition des choses que la révélation donne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toute révélation doit être d'abord inspiré de Dieu et conforme à la doctrine du Christ. Hier, on a dit ça. Que la gloire soit due à Jésus. Mais là, par prophétie, c'est des exemples que je donne avant de continuer. Par prophétie, le blé, Jésus a dit quoi? Jésus lui-même a interprété par prophétie. Il a dit quoi? Le blé, c'est les fils du royaume. C'est ça, non? Oui. L'ivraie, c'est les fils du malin. Mmh. Laissez les deux croître ensemble. Les fils du malin, les fils du malin, c'est quoi? C'est l'iniquité qui agit déjà. Les fils du royaume, c'est le mystère de la. Donc, dans la prophétie, là, il y a aussi une révélation dedans. Dans parler par prophétie, il y a aussi une petite portion de la révélation dedans, mais qui prophétise sur ce qui arrivera. Donc, quand je commence à dire, vous sentez la révélation, mais ça, je ne veux parler par prophétie. Donc, on passe par la révélation pour entrer dans la prophétie. Donc, quand est-ce que Jésus a parlé par prophétie? Il a dit quoi? Laissez les croire ensemble, mais au jour de la moisson. Dans la doctrine, ou bien dans la doctrine, le jour de, ou bien de la révélation et la doctrine, les deux liés. Le jour de la moisson, là, c'est à Pentecôte. La Pentecôte où les arbres ont été moissonnés, 3000 arbres.
Et l'évangile a été répandu dans la terre. Sur la terre tout entière, l'extrémité de la terre. Mais dans la prophétie, le jour de la moisson, c'est l'enlèvement de l'église. Donc, l'enlèvement de l'église, il va rassembler le blé dans son grenier. Le grenier, c'est le ciel. Et le livret d'art, le feu. Le feu, c'est le jugement de Dieu pendant 7 ans. La grande tribulation. Je suis en train de parler par prophétie. Acclame Jésus. Voilà. Vous comprenez la parole, vous comprenez les choses maintenant. Vous voyez, vous comprenez maintenant? C'est clair. Vous voyez que c'est la parole de Dieu délicieuse. Ou bien, quand vous entendez, vous voyez que c'est trois, c'est des choses différentes. Tellement différentes, mais c'est délicieux. On voit qu'il y a plusieurs manières de comprendre la parole. Quand tu prends un là, on te donne un. C'est comme quatre. Et Dieu a quatre façons de dire. Quatre là, dimensions. Toi, c'est un, toi, tu as découvert. Et pour toi, Dieu est totalement. C'est là où Dieu est. Et pour les tout. Donc, comme toi, tu connais ça, pour les autres là, ça dit, eux ne connaissent pas Dieu. Je connais la geste. Je suis dans la largeur. Moi, c'est la largeur ou rien. Et on va diaboliser l'autre parce qu'il est dans l'ignorance parce qu'il ne connaît pas. C'est là où je dis que c'est là où tu penses qu'on est Dieu là. Il te cache. Il se cache à toi et révèle une partie que tu ne connais pas à l'autre. C'est pourquoi tu dois t'humilier pour prendre ce que l'autre a que tu n'as pas. C'est ça les quatre langages. Tu dois avoir les quatre langages. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. On ne parlait pas connaissance, non. On continue la définition. Que la gloire soit due à Jésus. Amen. Parler par connaissance, c'est argumenter son discours. Non, on a déjà fini. Oui, on a déjà fini cette définition. Oui. C'est interprété. Donc, je donne une autre définition. Argumenter. Voilà. C'est argumenter la lettre qui est la thèse. Argumenter la lettre qui est la thèse. Pas de connaissance. Pas de connaissance. La thèse. Acquise par compréhension rationnelle ou naturelle ou rationnelle de l'écriture. Vous allez voir quand on finit tout ça là. Vous allez entrer dans une autre dimension. Totale. Désormais, n'importe quelle question qu'on vous posera, vous aurez la réponse. Soit par au moins un langage va donner la réponse. C'est-à-dire l'esprit va vous utiliser. C'est ça l'esprit. C'est ça le ministère de l'esprit en réalité dont on parle, le ministère de la parole. Il n'y a rien que vous ne pouvez. C'est-à-dire que l'esprit va vous orienter dans un langage et vous allez donner la réponse. Parce que là, Dieu a quatre faces. Et on a la possibilité d'utiliser chacune des faces comme on veut. Parce qu'il nous a donné ça. C'est ça, la Bible dit que ce sont des choses que l'oreille n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, que Dieu a donné à ceux qui l'aiment. C'est argumenter. Lisez. Qui a noté? Frère Luc. C'est argumenter la lettre qui est la thèse par des connaissances acquises. Par des connaissances acquises, par compréhension rationnelle. Affichez bien le tableau. Au naturel de l'écriture. Voilà. C'est bien, c'est compréhensible. Au naturel de l'écriture. NB. La connaissance peut être une source d'information par laquelle l'on peut fonder une doctrine. NB. La connaissance peut être une source d'information par laquelle l'on peut fonder une doctrine. Mais toute connaissance n'est point forcément une doctrine. C'est clair? Depuis lundi là, on fait cette déduction. Vous voyez, depuis lundi là, on fait cette déduction.
Tout ministère d'autorité est d'office ministère de la parole. Mais tout ministère de la parole n'est pas tout ministère en même temps ministère d'autorité. C'est pourquoi on dit que la connaissance est une source. Ah. La connaissance est une source d'information par laquelle l'on peut fonder une doctrine. Mm-hmm. Mais toute connaissance n'est pas doctrine. Voilà. Mais point forcément une doctrine. Nécessairement une doctrine. Forcément ou nécessairement une doctrine. Ou obligatoirement, ça dépend une doctrine. Voilà. Mais toute connaissance. Bon. Mais pas forcément. Nous devons comprendre que toute la parole de Dieu procure la connaissance. Toute la parole de Dieu procure la connaissance. C'est pourquoi, en vue de parvenir à l'unité de la foi, Dieu va répandre sa connaissance, la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous parvenions tous. Vous n'avez pas besoin de Christ, pas. Pour que nous parvenions tous à la perfection, ou bien à la maturité dans la foi, dans la connaissance du Fils. Gloire à Jésus. Sans la connaissance, c'est la mort spirituelle. Sans la connaissance, nous sommes morts. Vous le savez très bien. L'ignorance n'est pas bon pour quelqu'un. Le peuple a sa connaissance. Le peuple qui est ignorant est un peuple mort. C'est pourquoi on dit que il y a, c'est-à-dire, celui qui est ignorant de sa propre ignorance est pire qu'un simple ignorant. Tu es ignorant, mais tu es ignorant que tu es ignorant. Tu ne seras plus ignorant. Donc l'autre, il est ignorant, mais il sait qu'il est ignorant. C'est celui qui sait qu'il est ignorant qui cherche et qui est délivré de sa mort. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas une connaissance de la manière générale. Ce n'est pas une connaissance de manière générale, mais est précisé pourquoi, parce qu'on a mis la connaissance ici. La connaissance dont on parle ici n'est pas une connaissance de manière générale. Toute connaissance de manière générale ne peut pas être un langage d'interprétation des Écritures. Notez même ce que je viens de dire. La connaissance dont on parle ici n'est pas une connaissance de manière générale. Et toute connaissance générale ne peut être source d'interprétation ou bien langage d'interprétation des Écritures. Parce que sinon, si on va prendre la science des hommes, charnelle, et penser, interpréter par connaissance. Parfois, nous pouvons donner des expériences ou des exemples liés à la science, à ça. Parce que c'est Dieu qui a créé la science, c'est Dieu qui a créé l'histoire, c'est Dieu qui a créé la géographie, c'est Dieu qui a créé tout. On peut parfois utiliser ces exemples pour pouvoir entrer dans la parole, bien sûr, pas pour le monde. Donc, c'est pourquoi ils disent que dans l'interprétation de la parole, le langage utilisé, c'est un langage hautement spirituel. La parole de Dieu. Donc, on peut prendre les choses du monde et parler par connaissance liée, mais ça doit être biblique. Ou bien soit, ça doit être inspiré plutôt de la parole de Dieu. Sinon, ce sera charnel, une science charnelle. Mais la Bible dit que la science de Dieu, il anéantira la science des intelligents. L'intelligence des intelligents, la science, des scientifiques, la sagesse des sages. Parce que nous, c'est à nous que la grande sagesse a été donnée. Puisque c'est nous qui sommes remplis de l'Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit que nous avons là, c'est l'Esprit de la science des mystères. C'est pourquoi vous allez voir la science des mystères dans 1 Corinthiens 13. Selon les points, qui sont aussi, qui est aussi un don spirituel. Au langage d'interprétation de l'écriture. De l'écriture.
Le parler par connaissance dont nous parlons ici, notez, le parler par connaissance dont nous parlons ici, le parler par connaissance dont nous parlons ici est une branche particulière ou un style spécifique dans l'exposition ou bien de l'exposition de la connaissance de la parole de Dieu, esprit et vie. Donc c'est en ça qu'il y a les histoires, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a les contes, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a tout. Mais on ne peut pas trop parler par connaissance. Trop, non. Pourquoi? Parce que quand on parle trop par connaissance, on va ignorer la révélation. Or, c'est la révélation qui nous a donné la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, c'est bien. Parler par connaissance, c'est bien. On va parler par connaissance. Et quand on parle trop par connaissance, parfois on va être enrichi de la connaissance sans avoir la révélation du Fils. Or, que c'est la révélation du Fils. C'est la révélation de la connaissance plutôt qui nous a donné la connaissance du Fils de Dieu. La révélation de la connaissance nous a permis d'avoir l'intelligence pour connaître le Fils de Dieu. Nous savons que la révélation est très très importante, très très capable de nous permettre d'avoir une bonne connaissance et de continuer à quand même quand nous chaque fois que nous parlons par connaissance, nous devons aussi chercher à parler par révélation. Parce que la Bible dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui lui le révèle. Ça montre que la révélation est très très importante. N'y aurons pas aussi la connaissance, mais sans révélation, on ne peut pas avoir la connaissance. C'est clair? C'est pourquoi, quand nous ne parlons pas connaissance, quand tu parles, toujours tu ne parles pas, trop pas connaissance là. Parfois, tu vas voir que c'est l'esprit qui parle. Mais spirituellement, c'est comme si il y a un bras qui de l'évangile qui est annoncé, mais il y a l'autre qui cherche à entrer. Parce que tu as dit des choses par connaissance qui sont vraies. Mais là, la révélation m'a dit, ce que tu as dit ici, voilà ce que ça signifie spirituellement. C'est bon? Celui qui prêche beaucoup, parle souvent par connaissance, mais c'est la révélation qui lui a permis d'avoir cette connaissance. Donc, il peut dire, hier j'ai donné l'exemple, il peut dire que le sycomore, voilà, j'ai l'autre, ça se voit. Ou bien il peut dire quelque chose. Hier, on a dit que le miel signifie l'agneau dans la révélation. Donc il va dire quelque chose que Jésus est l'agneau et il est le miel. Quand il dit comme ça, il prêche, non? C'est une connaissance qu'il a libérée, non? Sans révélation, est-ce qu'on peut comprendre? Hein? Voilà. Donc la révélation permet de comprendre mieux la connaissance. Si vous ne parlez pas par connaissance, c'est bien. Ne parlez pas plus par révélation, c'est encore très bon. C'est clair? Oui. C'est vrai, l'apôtre Paul parlait beaucoup par révélation. Il disait ceci, je l'ai eu par révélation. Et quand il reçoit par révélation, il libère en parlant par révélation. Et les gens comprennent. Il y a un exemple. En tout cas, je ne vais pas donner l'exemple sur la révélation, mais je vais vous donner, vous allez lire vous-même. Il n'y a jamais abordé ce qui est ça dans le verset. C'est dans Galates. C'est pour la révélation. Non, ne notez pas. Notez ça tout seul. C'est pour parler par révélation. C'est dans Galates. Hein. Vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de donner une révélation. Parler par révélation. C'est un exemple textuel pour que vous puissiez comprendre. Il a parlé par révélation, mais nous on peut interpréter aussi par d'autres, par autre chose. Mais ici, il a parlé par révélation. Galates 4, à partir du verset 21 au verset 31. Waouh, ici c'est la révélation. Il a révélé quelque chose.
Vous pouvez lire, lisez. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre qu'il y a connaissance, il y a révélation. Mais la révélation n'est plus. Parce que la révélation vient éclairer la connaissance. C'est clair? Oui. Voilà, lisez. Galates chapitre 4, du verset 21 au verset 22. Waouh! Même la Paul utilise les langages. C'est lui qui a écrit les choses dans 1 Corinthiens 14. Ces choses ne sont pas dans la théologie. La théologie est toujours dans le scripture et la lettre qui tue. C'est pourquoi quand tu commences à dire ces choses à cause de la théologie, tu vas commencer à raisonner dans la chair pour dire c'est quoi ça? Parce qu'il est rempli de la lettre. Il interprète les écritures par la lettre. Ce n'est pas que. C'est-à-dire, c'est ce qui est là-bas. Mais l'esprit va interpréter par tous les langages. Pour qu'on puisse comprendre, sortir l'esprit de la pensée. Je ne dis pas que tout ce qui. Sur cette théologie, tout ce qui dit. Je ne dis pas que tout ce qui dit c'est faux. Non, non. Ils disent beaucoup de choses qui sont vraies. Qui sont même dans la parole. Qui sont même des révélations. Mais à cause de la. Moi, c'est à cause du raisonnement que moi, je les appelle théologiens. Le raisonnement. Ils raisonnent beaucoup. La philosophie. Voilà. Galates chapitre 4, verset 21, verset 31. Lisez bien, vous voyez. Qui donne d'abord une connaissance et après interprète par révélation. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Écoutez bien, il a commencé. Lise, papa, bonne nuit. Non, je crois pas. Vous ne lisez pas. Non, non. Tout le monde, prenez votre Bible. Prenez vos Bibles. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ça, c'est pas connaissance. Vous voyez, tentez de comprendre. Continuez. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est chose, ça, c'est ce qui existe réellement, l'histoire vraie, naturelle. Ces choses sont allégoriques. La connaissance, la parler pas connaissance, c'est bon, mais c'est une allégorie. Quand tu parles pas, c'est pas que c'est bien de parler pas connaissance. Parce que c'est l'esprit qui te donne aussi de connaître l'histoire et de parler cette histoire, de révéler cette histoire. Mais quand tu t'arrêtes à cette histoire-là, les gens vont comprendre l'histoire, mais ne comprendront pas la pensée de l'esprit derrière l'histoire. Je ne dis pas que parler par connaissance, c'est la chair, non. C'est Dieu qui donne le parler par connaissance. Parce que parler par connaissance n'est pas révéler la lettre, non. Mais révéler une histoire de la parole avec des choses simples, sans pour autant qu'on parle en profondeur, comprendre la réalité spirituelle cachée derrière. C'est des exemples simples que vous avez besoin de comprendre déjà. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Il parle pas comme ça, c'est une origine, il rappelle l'histoire. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Allégorique, il veut entrer dans la révélation. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Donc, les femmes, une femme et une alliance. Les deux femmes. Ça, il est entré dans la révélation. Acclame Jésus. Vous voyez, je veux dire pourquoi vous ne pensez pas que c'est ma pensée. Je ne parle pas moi. Nous donne des exemples. Même dans votre Bible, là, vous voyez des exemples dedans. On compare. C'est bon? Ça, c'est une figure de style. C'est allégorique. C'est pourquoi il compare. Il n'a compris pas. Ça dit, il a commencé par comparer ses alliances même à des femmes. Donc, dans la Bible, dans la révélation, on voit qu'une femme est une alliance. Hier, on a dit que les deux parents étaient des deux alliances respectives. Et ici, on dit maintenant que les deux femmes sont des alliances. C'est pour ça que j'ai dit que dans une révélation là, une révélation peut utiliser n'importe quoi pour. On peut dire n'importe quel symbole pour le dévoiler. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pas que c'est forcément deux femmes qu'on va utiliser pour comparer les deux alliances. Ailleurs, ça peut être deux poteaux, deux colons. Oui. Ailleurs, ça peut être deux oiseaux. Ça dépend, c'est des exemples que je vous donne. Hier, on a vu, avant-hier, on a vu que c'était deux poissons. Oui. La première alliance, la deuxième alliance, c'est deux poissons multipliés par Jésus.
Maintenant, c'est deux alliances comparées avec deux femmes. Deux femmes, ça c'est la révélation, ça c'est figure de style. C'est pourquoi il faut être intellectuel aussi. Et l'esprit va utiliser la connaissance là pour travailler. Acclame Jésus. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, en partant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Voilà. Parole de sagesse. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit. La doctrine est dedans, un peu. Parce que là, on parle de la servitude, on parle de la servitude de la loi, c'est-à-dire de la doctrine. Lorsqu'on parle de la Jérusalem actuelle, on parle lorsqu'on parle de la Jérusalem d'en haut, du ciel là, là on parle de la perfection du ciel, du paradis, ça c'est toujours la doctrine. Parce que nous croyons à la vie éternelle, nous croyons au ciel. Ça, c'est la doctrine. La doctrine est des choses auxquelles nous croyons, que nous devons pratiquer, nous devons reconnaître comme éthique de notre vie chrétienne, ou credo. Voilà, ça c'est la doctrine. Mais la révélation conduit à la connaissance de la doctrine aussi. C'est clair, on l'a dit. Continuez. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Voilà, hier, on a parlé de la persécution de la chair contre l'esprit. Isaac est l'enfant de la promesse. On a dit que c'est le type de Jésus. Et nous sommes aussi les Isaac, parce que nous sommes fils de la promesse d'Abraham et aussi descendants, fils légitimes de Dieu par l'Esprit. Adoption par la foi et l'esprit d'adoption. C'est nous qui sommes les êtres spirituels, de qui sommes les enfants de la promesse, qui sont persécutés par la chair. C'est pourquoi quand un ministre de la parole commence à condamner l'esprit là, l'esprit d'un chrétien, parce que tu as justifié l'esprit d'un chrétien. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes déclarés justes, nous ne sommes pas déclarés pécheurs. Donc nous sommes devenus saints dans notre esprit. Maintenant, si notre chair conduit l'esprit à pécher, on a dit que c'est la chair qui doit être détruite pour que l'esprit soit purifié et sauvé. Alors, il y a une guerre entre l'enfant de la femme esclave et l'enfant de la femme libre, de la promesse. Donc nous sommes l'enfant de la femme libre. La femme libre, c'est l'Église. La Jérusalem d'en haut. La femme esclave, c'est les enfants de la chair. Israël terrestre, la Jérusalem terrestre. Les religions terrestres, ceux qui pratiquent la sanctification selon la chair. Donc, ceux qui sont charnels, on combat ceux qui sont spirituels. C'est pourquoi, quand nous manifestons notre vie chrétienne, nous ne faisons pas que Dieu nous voit comme des enfants esclaves, comme Isaac et Ismaël plutôt, parce qu'Ismaël est l'enfant de la femme esclave. Ne faisons pas les choses pour que Dieu nous voit comme Ismaël combattant Isaac. C'est clair? Mais soyons Isaac. C'est pourquoi défendons notre Isaac. Quand un de nos Isaac est dans l'erreur, faisons comment? Ça fait mal quand vraiment Gédéon enseignait ça aux musulmans. À tel enseigne qu'il ne veut pas accepter ça. Et il ment. Oui, les musulmans, ils sont aussi la femme esclave. Et ils ment. Ils disent que c'est l'autre, là, Ismaël, qui est le premier. Non. Mais alors que. Dans la révélation, vous allez comprendre. Acclame Jésus. Donc, même si nous ne sommes pas musulmans, là, si nous avons le zèle amen, là, nous, on compare, Dieu va nous voir comme des musulmans. C'est ça. C'est clair. Hein? C'est l'esprit de la femme esclave.
de l'enfant, de la femme esclave. Donc on dit quoi? Les deux sont quoi? On dit que, alors, de la, commencez par le verset 29. Verset 29. Et de même, que alors, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors. Ça, c'est doctrine. On est en train de dire ce que nous sommes en Christ. Ça, c'est notre identité, c'est la doctrine là. C'est clair? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Alors, ça, c'est une parole de sagesse. C'est ça la doctrine. La doctrine est l'ensemble de l'Écriture. Alors, on viendra là, mais notez d'abord, notez quelque part. D'abord, on ne va pas mettre ça, mais notez quelque part. On va venir sur la doctrine, mais notez d'abord. La doctrine est l'ensemble des paroles de sagesse. C'est ça une doctrine en réalité. C'est pourquoi je vous dis que quand tu es docteur ou bien quand tu enseignes la doctrine, ça doit être la sagesse. Si ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jacques là, il est notre exemple, pas essayer lance. C'est pourquoi lui, il est rempli de sagesse. Ça, son épître là, c'est rien que la sagesse. Il dit, attention aux ailes la mer. Il dit, pour que beaucoup n'enseignent pas. Parce que quand beaucoup vont commencer à enseigner là, s'ils ne sont pas remplis, ils vont être comme Ismaël pour persécuter nous les Isaac. C'est vrai. Donc, prédicateurs, ne soyons pas comme Ismaël, selon la chair, et persécuter Isaac, qui est le fils de la promesse selon l'esprit. C'est vrai. On doit chercher à tout et temps pour faire comprendre que nous devons être Isaac. Voilà. Et monter vers le Jérusalem. Céleste. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. La doctrine ensemble des paroles de sagesse. Chasse l'esclave. La doctrine. C'est un commandement. C'est un ordre. La doctrine est ensemble. Les paroles de sagesse. Notez ça ailleurs. Pas dans l'expérience de la révélation. Là, nous allons venir parler, expliquer ça quand nous allons atterrir. Hein? Ça, c'est la parole de sagesse qui est continue. Hein? Ça dit quoi? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Voilà. C'est pourquoi hier, on a fait qu'on a chassé l'esclave dans l'explication. Avant-hier. On a chassé l'esclave. On a dit, oh cher, laisse-le. Cher, tu es condamné. Le péché conduit en enfer pour détruire le pouvoir de la chair et dit esprit, soit renouvelé, soit rempli. Ça, c'est des exemples concrets. Donc, on a vu la connaissance dedans et aussi la révélation. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. C'est bon? Ok. Donc on continue pas d'expliquer par les pas connaissance. Voilà. Par les pas connaissance n'est pas nullement ou bien précisant. Voilà, on reprend. Le par les pas connaissance dont il s'agit n'est pas. Voilà, ou bien je ne sais pas comment vous formulez. Précisons qu'il ne s'agit nullement de la connaissance intellectuelle ou académique que nous recevons à l'école. Non. Mais Dieu plus sert. Mais la connaissance que nous parlons là, ce n'est pas la connaissance scientifique que nous recevons à l'école. Mais si on ne parle pas de connaissance, tu sais chaud comme exemple et on s'arrête là. Parce que si on trouve ça dans la parole, on donne des exemples. Parfois, moi, j'utilise la météo pour enseigner. Parfois, j'utilise le soleil pour enseigner. C'est Dieu qui a tout créé. Est-ce que vous voyez? Mais la connaissance dont on parle ici, là, ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas l'histoire, et comment on appelle ça là? L'histoire et des géographies qui me disaient que les hommes étaient des chimpanzés. Des comment ils appellent les primates, les sapiens, les cro-magnons, tout ça là. Ça, c'est la science des hommes. Tout ce qu'on nous a appris à l'école n'est pas faux. Mais il y a une partie de ce qu'on nous a appris à l'école qui est faux, à bannir. Et ça ne fait pas partie de la connaissance, du parler par connaissance. Donc, précisons que parler par connaissance n'est
dont il s'agit même nullement. La connaissance intellectuelle. Voilà, la connaissance intellectuelle ou académique. Dont il s'agit pas. N'est nullement pas, ou bien en tout cas, soit choisi. Vous voulez être les professeurs de français. Donc, moi, donc, je libère seulement vous, vous harmonisez. Voilà. N'est nullement, voilà, on ne m'applique pas. N'est nullement intellectuel ou académique. C'est bon? Ouais. Ne la confondons pas non plus avec la connaissance théorique ou philosophique. Je vous ai dit ça, non? Ouais. Ou bien laissez théorique et mettez philosophique. Ne la confondons pas non plus avec la connaissance philosophique. Et vous mettez Colossiens 2, verset 8. Lecteur, Colossiens 2, 8. Avec la connaissance philosophique. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Voilà. Verset 8. Matthieu, Marc 2, verset 1 à 4. Cette connaissance, comme il y en a dit que cette révélation n'est pas la répétition littérale de l'écriture, cette connaissance aussi n'est pas en même temps la répétition littérale et audible de l'écriture. Vous comprenez? Si je viens, je lis l'histoire de David. Je ne suis pas en train de parler par connaissance. Mais je dois donner des leçons, je dois parcourir par connaissance, donner des exemples de tous les détails. Que les gens puissent comprendre et prendre encore d'autres versets, c'est pas la révélation, hein, mais prendre d'autres versets et appuyer jusqu'à ce que l'on comprenne théoriquement la pensée qui est dégagée par cette histoire, pas l'histoire, pas l'historique. C'est ça l'apôtre Paul vient de faire en parlant de Agar, en parlant de etc., de Isaac, Ismaël, de Sarah, etc., etc., de Abraham, etc., et de Jérusalem. Marc chapitre 2, le verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. La parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Quatre hommes. Quatre hommes. Les quatre langues, les quatre faces, les quatre animaux, l'animal à quatre faces, etc. Les quatre colonnes. Saint Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Quand Jésus parlait, Jésus donnait une parole. Et les quatre hommes sont descendus pour faire quoi? Pour apporter le paralytique. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était. C'est l'écriture qui couvre la parole. Alors, quand Jésus parlait, il faut que les quatre brisent le toit pour interpréter l'écriture, quitter le gros pour aller descendre pour interpréter ce que Jésus disait. Pas connaissant, littéralement. Afin que le paralytique soit sauvé et que tous ceux qui sont là écoutent la parole et comprennent l'interprétation. Acclame Jésus.
Satan et ça, il a guéri. Hein. C'est ce qu'il a guéri. Hein. Bon, les quatre langages, il a écouté la parole par les quatre langages. Et les quatre langages, le Seigneur a créé ces quatre langages pour le guérir. C'est pourquoi il faut ôter la lettre. C'est pourquoi il disait que la connaissance n'est pas la lettre. Cette connaissance n'est pas la lettre. On enlève la lettre et les langages sont dévoués, déployés. Tu n'as pas forcément besoin de dire que je ne parle pas connaissance ici. Tu n'as pas besoin de dire que ce n'est pas révélation. Moi, je suis un enseignant, c'est pourquoi parfois je le dis pour vous aider à comprendre ce que je dis. Vous pouvez prêcher sans dire que je ne parle pas connaissance. La personne qui est spirituelle, s'il est chrétien, il est esprit là, il va comprendre que c'est ici, il ne parle pas connaissance, ici, il ne parle pas doctrine, ici, il ne parle pas révélation, ici, il ne parle pas. Prophétie. Pardon? Prophétie. Prophétie. Acclame le Seigneur Jésus. C'est clair? Oui. Donc le toit, c'est l'écriture qui couvre la parole. Pardon? Oui, c'est le voile, encore l'écriture, la lettre cachée. Or, l'écriture sans interprétation est comme le voile qui couvre la parole. C'est écrit, vous avez écrit? Tout ce qu'on vient de libérer. Oh, de toi, c'est le voile. Oh. Mais les quatre hommes. C'est l'écriture. Oh, vraiment, soyez. En même temps, on vous dit là. En même temps, captez, notez, en même temps. Pourquoi on avance? Les quatre hommes sont les quatre langages. Ou bien les quatre bras de l'évangile. Le toit, c'est le voile, la lettre qui cache la parole que Jésus prêchait. Le paralytique, c'est l'homme qui a besoin d'enseignement. C'est ça, non? Lorsqu'il écoute, lorsque les quatre langages descendent, même dans la médecine, là, c'est sûr qu'il y a les quatre langages. Ceux qui font médecine doivent voir quatre méthodes, quatre. Ça, c'est un guide que tu as fait, c'est toutes les sciences sont ça. 4. On peut dire ophtalmologie, chirurgie. Alors, vous allez voir 4. Hein. Vous allez voir que tout partout c'est 4. C'est juste des exemples que je vous donne, vous allez comprendre. Partout, vous allez voir que Dieu a fait. L'animal a 4 pattes. Un seul animal a aussi 4 bras, 4 faces, comme hier. La colonne, on a dit 4 colonnes, mais encore 4 ans. Après 4 colonnes dans le verset des autres, on a encore vu 4 ans à côté. 4, je ne me rappelle plus. 4, mais 4 encore, 4 quelque chose, 4 piliers ou bien quelque chose comme ça. Comme ça, montre que chacun a 4. Les 4 langages. Voilà. Mais l'histoire du paralytique. L'histoire du paralytique. Et guéri par Jésus. Depuis le toit ou quelque chose comme ça. L'histoire du paradis. Guéri. Donc l'histoire là, quand je vais expliquer ça, c'est parler par connaissance. Ah, j'explique tout ce qui s'est passé. Waouh, Jésus a la foi, il est descendu du haut, ils l'ont emmené du haut. J'explique tout avec les contours. C'est pourquoi nous devons avoir la foi et je commence à expliquer la doctrine, tout ça avec la connaissance. Mais dans la révélation là, les quatre sommes sont les quatre langages. Le voile, le toit, c'est le voile, la lettre qui cache la parole. La parole. Oh, que Jésus prêchait. Les quatre, voilà. Maintenant, on met le paralytique. Et celui à qui est destinée la parole. C'est ça, non? Le paralytique est celui à qui la parole est destinée. Dans la révélation, hein. C'est le paralytique, c'est un paralytique. Vous comprenez déjà? Oui. Mais dans la révélation, nous on voit que ce paralytique-là, c'est comme le peuple qui a besoin de la parole, qui est paralysé et qui a besoin d'être relevé. Et qu'est-ce qui relève et qui fortifie? C'est la parole. Mais quand la parole sort, sans les quatre hommes qui sont les quatre langages, c'est comme un bégaiement. Alors il faut que le toit qui empêche les quatre langages de descendre soit pris. C'est ça l'interprétation, le dévoilement. Et là, les quatre langages, qui sont les quatre hommes dans cette histoire, viendront pour éclairer ce que Jésus dit. C'est ça la parole. Jésus est la parole. Les quatre langages ont besoin d'éclairer encore la
Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Voilà, presque. Quelle la personne. Et toute personne à qui la parole, ou même tout, ou même ça du manière générale. Et toute personne. La parole est destinée. C'est bon? C'est clair. Gloire à Jésus. Dans le désert, il y avait quatre sacrificateurs qui ont déchiré le fleuve du Jourdain. Pardon? Trois, quatre, les quatre bras. Il y en a dit que c'était les quatre bras. Arrêtez souvent, nous disons quatre évangiles, parce que c'est quatre livres. Mais moi, j'ai compris que non. Après, j'ai compris que non. C'est quatre bras du même évangile. Ou quatre manières de révéler le même évangile de Jésus. Si on dit quatre évangiles, c'est comme s'il y a quatre évangiles dans le monde. Avec quatre manières. Voilà. Et aussi souvent quand on dit évangile évangile, pardon. De Matthieu. Donc souvent, voilà, donc c'est ça. Donc on dit évangile, c'est bien, c'est pas. C'est comme une bonne nouvelle. Donc on peut comprendre ça. Mais c'est un seul évangile de Jésus. L'évangile éternel. Voilà. C'est bon? Ok. Gloire à Jésus. Donc, dans le désert, on disait qu'il y avait quatre sacrificateurs. Quatre sacrificateurs qui ont déchiré le fleuve du Jourdain. Ce sont là les quatre bras qui déchirent l'écriture. Afin que nous obtenions 12 pierres, qui est l'enseignement de 12 apôtres. Je n'ai pas mis ce verset, on ne va pas lire ce verset. Vous notez seulement. Ils ont déchiré le fleuve du Jourdain. Il y a quatre sacrificateurs qui sont. Voilà, je reprends. Ce n'est pas la chose là. Dans le désert, il y avait quatre sacrificateurs qui sont. Mais c'était. Il y a, en tout cas, c'était quatre sacrificateurs qui ont déchiré le fleuve du Jourdain. On dit que le Jourdain, c'est. L'eau, c'est la parole. Ou bien. Mais si on déchire en quatre parties, ça devient l'interprétation de l'écriture. C'est comme le fleuve d'Éden qui était en quatre bras. Pichon, Guignon, Idékel et le quatrième, Euphrate. Gloire à Jésus. Ce sont les quatre bras de l'évangile qui déchirent l'écriture afin que nous obtenions 12 pierres. Donc quand ils ont fait, ils ont obtenu 12 pierres. Donc les 12 pierres, c'est les 12 apôtres qui ont posé le fondement de l'écriture que nous utilisons aujourd'hui pour enseigner. Qui ont déchiré l'écriture. L'écriture afin d'obtenir 12 pierres. Sont les 12 apôtres. C'est bon? Gloire à Jésus. On continue.
Ah, c'est bon. Parlez pas connaissance est un outil de l'esprit et non de la lettre. Parlez pas connaissance est un outil de l'esprit et non de la lettre. Car la lecture met l'esprit vivifié. On a déjà dit un, quelque part. Un. Mais vous prenez ce but. Un outil de l'esprit et non de la lettre. Je répète encore qu'il ne s'agit pas de la science du monde. Colossiens 2, verset 2 à 3. Dites encore ça, écrivez ça. Colossiens 2, verset 2 à 3. Il ne s'agit pas de la science du monde. 12 là. Il ne s'agit pas de la science du monde. Il ne s'agit pas de la science du monde. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Vous voulez comprendre que l'évangile, le pas connaissance là, ce que c'est. Je lis au nom de Jésus. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ah, donc dans l'évangile de Jésus, il y a les trésors de la sagesse et de la science. Acclame Jésus. Donc nous avons la science qui va confondre les scientifiques du monde. C'est ça, la parole. Donc l'évangile a la science des mystères. C'est clair. Tous les trésors de la science, c'est très fort. Donc nous n'avons pas besoin de cette science du monde. Non. Gloire à Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, proposition. Vous pouvez laisser, comme vous allez tout prendre. Oui, oui, attendez, attendez. C'est ici, je disais, de prendre le peuple. Laissez, on finit d'abord. On finit d'abord le tableau. Donc prenez l'orateur et prenez d'abord le peuple. Là, en attendant que. À la fin. Non, pas ici. C'est clair. Mais ça dit quand il a fini. Continuons, continuons. 2 Pierre 1, verset 5. 1, verset 5. Deux Pierre chapitre 1, le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Vous voyez, donc la science, donc souvent ne confondez pas la parole. Ne pensez pas, on dit que comme il y a science dans le monde, donc la science c'est satanique. La science ça n'est pas de Dieu, non, c'est Dieu qui a créé la science. C'est lui la science. Moi, parfois, j'utilise la science pour enseigner. Et ce n'est pas la science du monde, mais la science de Dieu. C'est ça le don de science des mystères. Parfois, j'utilise la mathématique pour expliquer. Il y a un mystère que j'avais expliqué par mathématique. J'ai parlé de l'angle droit. J'ai parlé de la perpendiculaire. J'ai parlé de similitude. Oui, souvent on utilise le parallélisme. Et aussi de la perpendiculaire, de la symétrie aussi, on utilise ça aussi. Oui. J'utilise aussi la géométrie. La numérologie aussi. Tout ça, c'est dans la mathématique. J'utilise ça. Ça, c'est la science des mystères. Et c'est cela vient de Dieu. Et quand on entre dans cette parole où je, même la comptabilité aussi, Jésus a utilisé ça. Quand on parle de richesses injustes et autres, quand on parle de l'économie, tout ça c'est la comptabilité. C'est pourquoi là, nous devons être intellectuels aussi. Parce que Dieu lui-même là, tout ce qu'il a créé là, nous a rendu, doit nous rendre intellectuels. Acclame le Seigneur Jésus.
théologie. J'ai bien dit ça. Voilà. Dans la science de ce monde, elle est une folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. La science de ce monde est une folie devant Dieu. Corinthiens chapitre 3 verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Voilà, vous voyez. Okay. Gloire à Jésus. Le palais pas connaissance donne, c'est comme ça, ça donne une expertise. Elle certifie la véracité de chaque élément de la parole abordée. Dans l'histoire, dans les détails, dans le contexte. Notez-toi. Frère Luc, hein? Lisez-lui. Le parler par connaissance donne une expertise. C'est bon, expertise, hein? Oui. Ne parlez pas connaissance, donne l'expertise. Et certifie. Mais, voilà. Certifie. J'ai dit certifie, c'est ça. Voilà, la véracité de l'élément de la parole abordée. Dans l'historique, dans le contexte. Et dans la réalité. Dans le contexte. Gloire à Jésus. Jésus. Voilà. C'est la démonstration irréfutable. Quand tu démontres la pas connaissance là, c'est irréfutable. Parce que c'est vrai. C'est pas révélation. On va dire qu'on va chercher la révélation. C'est vrai. C'est ce qui est juste qu'on dit. Ce qui existe réellement. On dit ça. Que c'est ça. Et on vérifie dans la Bible et c'est comme ça. Parlez pas connaissance. Parfois, on parle pas connaissance dans l'histoire des Juifs. Comment les Juifs font. Mais quand on prêche, on dit. Dieu va. Quand on prêche, on dit. Au début, Dieu a utilisé Adam. Après Adam, il a choisi Noé. Après Noé, Abraham. Après Abraham. Après même avant Noé, c'est Enoch. Etc. On cite. À un moment, Dieu. Ça, c'est parler pas connaissance. L'arbre entier, c'est un arbre. Le premier arbre fleuri en Israël. C'est parler pas connaissance. C'est bon? C'est bon. Ça, c'est photographié? Oui. Ok. Est-ce qu'on touche ici? On touche ici, j'espère. C'est deux qu'on entend. Ça, c'est bien. Ah, Jésus, c'est bon? Donc, parlez par connaissance, traite tout ce qui est nécessaire pour éclairer un sujet.
tous les contours du sujet d'une manière brute. C'est clair? Parler par connaissance, c'est expliquer le sujet. En donnant tout ce qui est nécessaire, virgule, tous les contours liés à la thématique. Point. Tous les contours. Il y a la thématique. Tous les contours. Il y a la thématique. Lié à la thématique. À cause de la lumière, là. La lumière dérange un peu le tableau. C'est bon? Il y en a déjà. C'est bon? On peut continuer? Gloire à Jésus. Voilà. Le parler par connaissance est un examinateur sur le sujet. De tous les sujets. C'est bon? Examiner. Le parler par connaissance examine tous les sujets. Examine tous les sujets. Gloire à Jésus. Il entre dans les détails du sujet, même dans les définitions des mots. Voilà. Moi, je suis dedans. Je fais beaucoup ça. Ne parlez pas connaissance. Même la définition des mots peut éclater la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, si j'ai la connaissance même et je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. C'est clair? Donc l'amour, c'est ça, le lait et le miel. Donc l'amour, c'est surtout le miel. Avant d'être. Gloire à Jésus. Donc par exemple, quand je prends un sujet sur l'adoration, je ne commence pas à définir l'adoration. Je donne tous les contours liés à l'adoration. Je suis en train de parler par connaissance. Mais si j'entre dans la révélation, là, je ne commence pas à prendre les choses, ces symboles, et dire que c'est ça l'adoration. Quand on dit que les anges, quand j'entre, voilà, ça c'est la révélation. D'abord par connaissance. Par connaissance, je s'explique l'adoration. Quand j'adore sur terre, mon adoration est reçue au ciel comme un parfum de bonne odeur. Je suis en train de libérer une connaissance. Donc c'est bon? Oui. Mais quand je dis notre adoration en réalité est le symbolisme de l'adoration des anges, des 24 vieillards au ciel. Ça, je suis en train de sortir du cadre de la connaissance. Je suis en train de voir qu'en réalité, nous sommes ces 24 vieillards qui adorons le Seigneur. Ou soit, je dis, la prière, c'est une requête. Ça, c'est parler par connaissance. La prière, c'est discuter avec Dieu. Mais quand j'entre dans la révélation, je dirais que la prière, c'est une fumée. La prière, c'est un parfum. La prière, c'est un sacrifice. Ça, c'est pas révélation. Ce n'est plus pas connaissance. C'est clair? Quand on dit adoration, c'est d'honorer Dieu, de dire ce que tu es. C'est de glorifier Dieu. Ça, c'est parler par connaissance. Mais quand je veux sortir de la connaissance pour venir de la révélation, je dirais l'adoration est replantée par la coupe d'or des parfums qui est pris, les anges prennent pour le troisième ciel.
qui est transporté du troisième ciel vers le lieu très saint pour être répandu sur l'autel des parfums. Donc, l'autel des parfums est le siège où Dieu agrée l'adoration, reçoit l'adoration et l'agrée et envoie la plénitude de sa présence. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Donc, je suis sorti de la connaissance qui sont données, parlées par révélation. Je compare, j'utilise les choses, les objets, autel des parfums, les symboles, coupe d'or des parfums, symboles. Vous comparez les degrés de l'adoration. Vous voyez maintenant, acclamez le Seigneur Jésus. C'est délicieux, hein? Quand vous mettez ça en pratique, l'Esprit même va vous accompagner. Gloire à Jésus. Donc on dit souvent dans Hébreux 7 que Jésus est l'image de Melchisédek. Melchisédek. Pas de Salem. Si je ne parlais pas connaissance maintenant là, je dirais que Melchisédek c'est quoi? Melchisédek, c'est, je donnerai la définition de Melchisédek. Melchi c'est roi. Oui. Exemple, Hébreux 7.1. Melchi c'est roi. Sédèque, c'est justice. Donc, Melchisédèque, c'est roi de justice. Ça, c'est parlé par connaissance. Je sème les mots étymologiquement. Je dis, Melchi, c'est roi. Sédèque, c'est justice. C'est pourquoi on dit que Melchisédèque, c'est le roi de justice. Ça, c'est pas encore la révélation. C'est toujours la connaissance qui continue. Le parler par connaissance. Or, dans la révélation, on va dire que ce Melchisédèque est le roi de Salem. Par eux, la révélation vient dire ce que la connaissance n'est pas, ne dit pas. La révélation donne une autre manière de compréhension liée à d'autres symboles, à d'autres réalités qui ne sont pas ordinaires. Or, parler par connaissance, c'est parler ordinairement selon la connaissance brute de la chose, du sujet. C'est bon? Vous mettez exemple. On a encore le dernier langage qui est doctrine. Donc on va finir ça et on va entamer la doctrine. Et après ça, nous allons prendre une petite pause de 20 minutes comme ça et commencer par faire l'enseignement sur le CMC. Quand nous allons finir, nous allons prendre une pause et revenir le soir pour l'effusion et la prière. Micro, donnez-lui le micro. Melchi, c'est roi. C'est Gek, c'est justice. C'est Escam. Vous me réussissez bien. Dans la Bible, voyez dans la Bible. C'est Seka. Seka. C'est Dek. Seka. Vérifiez la Bible est là. Ici. Un instant, tu veux vérifier. C'est bon, c'est Melchi. Ah ouais, non, ça là-bas. Justice. C'est Kan. Non, c'est Kan, c'est bien. Ah, ah c'est pas. Donc, Melchi, c'est Dek, signifie roi de justice. Voilà. Et par révélation, Melchi, c'était ce prince de paix ou roi de paix. Prince de paix. Voilà, roi de Salem. C'est la même chose. S'il vous plaît. Pour eux, c'est différent, c'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est Dek, justice et en même temps paix. C'est différent. Mais par révélation, là, le même Melchi est encore roi de Salem. Vous voyez? Ça, c'est aux réalités. Hein? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si loin que nous faisons la voile, ça c'est tout caché dans l'adoration. Quoi? Les loin que nous faisons souvent avec l'adoration, ça c'est trop. Tout
Voilà. Toute adoration est en même temps. Et donc, toute louange est en même temps adoration. Mais toute adoration n'est pas louange. C'est bon. C'est clair. On ne va pas le continuer. On va pas se laisser distraire. Acclame Jésus. On continue. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Sinon, c'est bien. Par révélation, Meshidek est le Shiloh. Shiloh aussi dit Shiloh. La paix. La paix. Roi de Salem, roi de paix, virgule. Prince de paix, virgule, le Shiloh. C'est lui le roi de Juda. Écrivez par connaissance, c'est lui le roi de Juda. Qui viendra pas selon la préfiguration sur terre. Alors, oui, c'est ça. Gloire à Jésus. Ok, on continue, c'est bon. Donc, on va finir avec la connaissance ici. Il y a quelque chose. Je vous. Par exemple, l'homme étudie là, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptême au nom de Jésus. Et Matthieu 28, verset 19, non. Quand on dit là, arrêté, les trinitaires ils font l'erreur à ce niveau. Parce qu'ils ne doivent parler pas connaissance à ce niveau. Parler pas connaissance, parce que. Quand on dit Père, on sait que Père, c'est Père. On sait que Fils, c'est Fils. On sait que Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Donc, en tant que Père, on sait que quand on lit bien, on n'a pas connaissance là. On voit que c'est un seul nom. Il n'y a pas S. Donc, si ça, c'est pas connaissance. S'il y a un seul nom, il n'y a pas S. Donc, ça montre que le même nom là, c'est le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. C'est le seul nom, ce n'est pas plusieurs noms. Ça, c'est parler pas connaissance. Parce qu'il n'y a pas S là, ça montre que c'est un seul, une seule personne. S'il y avait S par connaissance, on allait dire que c'est plusieurs. Vous voyez que c'est l'erreur que les trinitaires ont fait, ils n'ont pas parlé par connaissance sur Matthieu 28, 19. Sinon, ils allaient étudier minutieusement pour voir les mots, même les virgules, même le français. On doit connaître la grammaire pour parler par connaissance. Connaître aussi le vocabulaire. Tout a un sens. Moi, c'est une autre dimension. Quand moi je donne la parole là, quand moi je vois une figure, je connais de quoi on parle en même temps. Parce que quand tu vois virgule, dans certaines dimensions, virgule, quand tu vois figure là, la virgule introduit une nouvelle idée, différente même de la première. En français littéral, parfois la virgule veut dire adjectif fort, qualificatif, ou bien soit une suite d'idées. Parfois, ce n'est pas toujours l'adjectif qualitatif de l'ancienne idée. Parfois, c'est une autre idée qui vient. Dans la parole, c'est différent. Tu parles de la parole, non de ce qu'on a appris. Tout ça. Mais on se sert de ça pour parler. Il y a deux événements qui peuvent être différenciés par une figure dans la Bible. Or, quand on voit figure, parfois, on sait que c'est comme si c'est une même phrase qui continue. C'est la même histoire. C'est l'erreur que les gens ont fait dans 2 Thessaloniciens 2 pour dire que la grande dimension arrivera avant l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas parlé par connaissance. Ils ne parlent pas par connaissance. Le mystère, on dit que le mystère de l'iniquité a dit déjà, figure. Mais il faut que ce qui le retient soit ôté au pardon. Un confond, comme en même temps, la grande tribulation et l'antichrist est déjà là, dans la chair. Parce qu'on voit, donc ils comprennent mal les choses. Or, quand on voit figure par connaissance, on dit que non, ça c'est une introduction d'un autre événement. Vous voyez, si tu ne parles pas par connaissance, tu vas brouiller même la parole. Et tu vas interpréter charnellement. Les gens disent c'est quoi ça? Ils disent quoi? Oh, tu as l'idée, mais tu fais l'erreur parce que tu manques
de la compréhension. Tu ne comprends pas les langages. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à vraiment être parfait. Amen. Gloire à Jésus. Donc ça, quel langage? On a parlé ça, ça c'est le deuxième langage. Voilà, allons dans la doctrine. Ou bien non, prophétie d'abord. Acclame Jésus. Hier, on s'est arrêté à révélation. Voilà, aujourd'hui, on veut parler des trois autres langages. On a déjà vu connaissance, ça reste prophétie et doctrine. C'est bon? Ok. Parler par prophétie consiste à étudier une prophétie inspirée de Dieu. Déjà donné scripturairement ou verbalement vous me suivez consiste à étudier une prophétie inspirée de Dieu déjà donné scripturairement ou verbalement dans le but de sonder les temps les circonstances lié à son accomplissement au temps marqué. C'est bon? Ah, Luc, c'est bon? On est scripturairement ou verbalement dans le but de sonder le temps. Les circonstances liées à son accomplissement au temps marqué. Il faut noter que dans le but de il faut noter que parler par prophétie est différent du temps du prophétie. Suivez-moi, il faut noter que parler par prophétie est différent du temps du prophétie. Parler par prophétie est différent du don de prophétie. Parler par prophétie, est-ce que vous avez noté? Parler par prophétie est différent du don de prophétie. C'est bon? L'interprétation, c'est le parler par. La preuve est facile. Le parler par. Ah, vous n'avez pas noté ce que je lui dis? Voilà. D'abord. Parler par prophétie. C'est différent. Différent du temps de prophétie.
Vous comprenez pourquoi je dis ça? Oui. Parlez pas aussi à une interprétation de la prophétie. Or, parlez pas aussi à un langage d'interprétation du don de l'inspiration de la prophétie. Une prophétie sort pour le révéler là. Je ne parle pas prophétie. Pour faire quoi? Une prophétie sort ou bien est déjà dans la Bible. N'importe quelle prophétie. Mais je sors et je sonde les conditions de sa venue, les circonstances liées à son accomplissement futur. Vous ne comprenez pas. Parlez pas aussi de l'interprétation de la prophétie. Or que la prophétie est l'inspiration à base duquel l'on parlera pas prophétie. L'on parlera pas le langage de la prophétie. C'est clair? Vous voulez comprendre quelque chose? Un micro, donne-lui le micro. Nous sommes à l'école. Ou à or que. Oui, dites-lui là où il va faire ça. Or n'a pas de que. Ah, c'est ici. Alors que. On le dit or que, c'est alors que. Affichez bien le tableau. Alors que la prophétie est l'inspiration à base de laquelle on ne parlera pas prophétie. Cette prophétie dont on parle là, c'est la parole de Dieu. Ça peut être passé, présent, futur. De toute façon, le don de prophétie, c'est une inspiration qui concerne le passé, le présent, le futur. Mais nous, on n'interprète pas prophétie, surtout pour expliquer son accomplissement dans le futur. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour montrer les circonstances dans lesquelles elle sera accomplie. Elle a été déjà accomplie. Nous ne l'expliquons pas à révélation. Pour montrer comment elle s'est déjà accomplie dans le passé. Mais pour montrer comment elle sera accomplie dans le futur. Comment elle sera accomplie dans le futur, nous ne parlerons pas prophétie. Écoutez, l'inspiration, c'est la parole de Dieu. Qui est la prophétie qui concerne tous les temps. Du passé au présent, du présent au futur. L'inspiration, c'est la parole de Dieu qui concerne tous les temps, du passé au présent, du présent au futur. C'est pourquoi le don de prophétie, d'abord, est le don de prophétie, en général, d'abord, c'est pour tous les temps. Mais parler pas prophétie concerne spécialement une partie de la manifestation du don de prophétie. Mais seulement que c'est l'interprétation pour le futur. Parce que parler pas prophétie là, va prendre une parole qui est déjà donnée pour le passé, le présent, le futur. Et va le ramener dans son contexte et dans la circonstance dans laquelle elle sera accomplie dans le futur. Je ne sais pas si vous comprenez. L'inspiration prend en compte le passé, le présent, le futur. Notez tout le temps. L'inspiration prend en compte, notez toi, vous tu notes en même temps et après tu le dis. L'inspiration prend en compte le passé, le présent et le futur. Maintenant, quand je vais parler par poésie, par ce don, l'inspiration donnée par le don de prophétie, qui est la parole, moi je ne vais plus parler du passé, comment ça s'est accompli dans le passé. Mais je vais expliquer comment, si elle n'est pas encore accomplie là, je vais l'expliquer pour que nous puissions comprendre dans quelles circonstances et en quel temps, comment elle sera accomplie dans le futur, dans le temps précis. C'est clair? Or, si je veux montrer comment l'inspiration est déjà accomplie dans le passé, je suis en train de parler du pas révélation. Le passé, le présent. Je m'arrête là, c'est pas révélation. Mais quand je quitte le passé pour venir au présent et quitter le présent, je ne retourne plus en arrière lorsque je parle pas prophétie. Je vais dans le futur.
parce que je sais que cette parole est donnée pour le temps passé. Mais dans l'intervention de ma prophétie, je fais tout pour que, pour montrer si elle n'est pas déjà accomplie, je quitte la révélation. Lorsqu'elle est accomplie déjà, je quitte là, et ce qui n'est pas encore accompli, j'entre dedans, mais pas prophétie, si, pour que l'on puisse comprendre en quelles conditions il sera accompli. Donc c'est pourquoi il dit que dans le langage de la prophétie, écrivez. Dans le langage de la prophétie, il y a une partie de la révélation qui amène dans le futur. Vous ne comprenez pas encore? Je reprends. Non, docteur, ce que vous, je vous dis, je reprends. Les frères, vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Salut, lui, mais qu'on va voir. Alléluia. Ce que moi je comprends, c'est que quoi? C'est que l'inspiration regroupe tous les temps. Le passé, le présent et le futur. L'inspiration regroupe tous les temps. Le passé, le présent et le futur. Alléluia. Alors que la prophétie prend. Le langage de la prophétie tire sa source de l'inspiration pour l'interpréter dans le futur. Voilà. Alors si on veut parler par révélation. Si on veut parler par révélation, on quitte le présent au passé, mais on ne va pas dans le futur. C'est pourquoi je dis que pour parler par possible, d'abord c'est que il y a déjà la révélation est déjà là. Ou bien si elle n'est pas là, nous-mêmes donnons la révélation en quittant du passé au présent pour aller vers le futur. Le but du parler par possible, c'est que nous puissions révéler les circonstances dans lesquelles l'inspiration va s'accomplir dans le futur. Mais je ne peux pas entrer directement dans la prophétie si déjà une partie de la prophétie n'a pas été révélée par révélation. N'a pas été expliquée, interprétée par révélation. C'est pourquoi parfois, dans certaines bibliques, certaines prophéties, peut-être une partie est déjà révélée dans le passé. Et on pense à mais la partie qui n'est pas encore accomplie là. C'est ça que nous allons utiliser, parler par prophétie. C'est dans l'Apocalypse, vous allez voir nous plusieurs. L'Apocalypse va nous dire que certaines révélations, certains hommes écrits, certains écrits de l'Apocalypse sont des inspirations, des révélations. Mais d'autres sont déjà accomplis. Donc pour expliquer ce qui est déjà accompli, ce n'est pas révélation. Donc on ne veut pas le langage de la révélation. Mais ce qui n'est pas encore accompli, ce n'est pas le langage de la prophétie. C'est pourquoi je dis que le langage de la prophétie, il y a un peu la révélation dedans. Mais je quitte d'abord la révélation pour atterrir dans la prophétie. Donc, c'est le seul langage de la prophétie n'est pas toute la parole de Dieu où on dit que c'est du passé au présent, du présent au futur. Non. Le langage de la prophétie n'est pas toute la parole de Dieu, mais c'est une partie de la parole. L'on quitte les autres paroles anciennes et entre dans le futur. C'est bon? Vous voyez que c'est vraiment, vraiment. Et comment dire cela? Délicat. Quand tu fais une erreur, tu vas t'embrouiller. C'est bon, vous comprenez? Moi, je réponds. Si c'était tout, c'est-à-dire l'inspiration, c'est la parole qu'on interprète par le Saint-Esprit et non d'une manière particulière comme la science du monde ou la théologie. Maintenant, quand ça sort là, la révélation va montrer ça, son accomplissement dans le temps présent. Ou soit va quitter le temps présent, montrer le symbole dans le temps passé. Et on s'arrête là. Est-ce que vous voyez? Mais la prophétie va prendre ce qui est déjà dit dans le passé, au présent, laisser ça. Introduire ça comme introduction. Laisser et aller aborder ce qui arrivera, mais qui n'est pas encore accompli dans l'écriture, mais qui n'est pas encore accompli aujourd'hui. Parler par prophétie, c'est interpréter une parole inspirée, mais dans le but de montrer son accomplissement. Donc cette parole inspirée est une parole qui concerne que le futur. Or l'origine a déjà quitté le passé, est venue au présent. Mais je quitte le présent pour entrer dans le futur. Mais parler par prophétie, ce n'est pas quitter le futur pour venir au présent. Parce que la prophétie, c'est comme la prophétie dont on parle ici dans le langage de la prophétie, c'est
le Habakkuk 2:3, même cette date, elle s'accomplira certainement. C'est ça, c'est différent. Cette prophétie, c'est une prédiction de ce qui arrivera. C'est différent du don de prophétie général qui concerne le passé, le présent, le futur. Mais parler par prophétie touche surtout la partie de la prophétie qui concerne le futur. Mais quand je dis le passé pour le présent, c'est la révélation. Quand je suis dans le présent, le passé, c'est la révélation. Mais quand je quitte le présent, je quitte le passé, le présent, selon le langage de la prophétie, je ne retourne plus au passé ni au présent, mais je vais l'expliquer de la manière à laquelle je vais expliquer selon la manière à laquelle elle sera accomplie dans les temps, les circonstances, le pourquoi, le comment. Elle s'accomplira dans le futur. Acclame Jésus. C'est clair? C'est clair? Pardon? Le passé et le présent, c'est la révélation. Voilà. L'expliquer, interpréter du passé au présent, c'est la révélation. Précisez bien les choses. Parce que quand vous faites, c'est dans la doctrine, dans le message doctrinal ou bien dans l'enseignement, quand vous faites erreur de mots, ça change tout. C'est comme la mathématique ou la comptabilité. Quand vous faites, vous mettez moins la place de plus, ça renverse tout. Quand vous mettez figure au lieu de mettre le point, ça renverse tout. Et lisez, on va voir. Les circonstances, dans le langage de la prophétie, il y a une partie de la révélation qui quitte le passé, le présent, pour expliquer les circonstances de l'accomplissement dans le futur. Le langage de la prophétie n'est pas toute la parole de Dieu, mais une partie de la parole. Révélé, mais qui concerne le futur, son accomplissement dans le futur. On va révéler. Quoi? On quitte le passé, le présent, pour montrer les circonstances de l'accomplissement de la parole dans le futur. Ces circonstances, le temps marqué, les circonstances. Voilà. Attends, relisez, je vais dire une chose. Comment? Dans le langage de la prophétie, il y a une partie de la révélation qui quitte le passé, le présent, pour expliquer les circonstances de l'accomplissement dans le futur. Le langage de la prophétie n'est pas toute la parole de Dieu, mais une partie de la parole révélée. Voilà. On quitte le passé, le présent, pour toucher. Pour expliquer les conditions de l'accomplissement de la prophétie dans le temps, dans l'espace. Et selon la doctrine, mais selon l'enseignement, mais selon la volonté de Dieu, vous comprenez, je promets la volonté de Dieu. C'est clair, hein? Acclame Jésus. Selon dans le temps, dans l'espace. Donc je vais vous lire ce que j'ai résumé ici. C'est encore plus clair ici. Donc quand on parle de l'enlèvement de l'église, quand on va expliquer l'enlèvement de l'église là, est-ce qu'on parle par prophétie? Mais on peut parler par révélation d'abord. Pourquoi? On va expliquer l'enlèvement de Jésus. Quand Jésus a été ravi là, on va dire en réalité l'enlèvement de l'église qui vient là, qui a été prophétisé depuis, est déjà, l'ombre est déjà accomplie. Donc, après les 40 jours de Jésus, après sa résurrection, sans ravissement au ciel est l'ombre de l'enlèvement de l'église. C'est clair? Ça, c'est parlé, ça, c'est la révélation. Ce n'est pas encore la prophétie. Donc, je vais quitter de là maintenant et je vais commencer par interpréter la prophétie. Pourquoi l'enlèvement? Comment l'enlèvement va s'accomplir? Je vais dire que, en réalité, l'enlèvement s'accomplira à la fin de la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, c'est le passé. Non, c'est le temps présent. Mais qui va passer pour donner le temps de l'enlèvement? Ça, c'est de parler par prophétie. Donc, je quitte la révélation pour venir à la prophétie. Ce n'est pas toujours conseil. Ce n'est pas toujours que vous dites. Ce n'est pas une théologie. Où il faut toujours faire comme ça. Non. Je vous donne des exemples. Et le reste, l'Esprit de Dieu va vous utiliser.
Vous comprenez? Vous voyez l'enlèvement de l'Élie, la beauté de l'Élie. On peut utiliser ça comme ombre de l'enlèvement dans la révélation. À quitter le passé pour venir dans le présent. Mais pour entrer dans le futur. Et on quitte le présent maintenant, aujourd'hui, et aussi pour entrer dans le futur. Ça, c'est la prophétie. Pardon? Voilà. Personne n'est monté. Vous le savez très bien. Voilà. C'est donc, c'est tout ça, c'est une image. Et quand on ne parle pas connaissance, c'est ce qui est dit dans l'Écriture. Voilà, qu'il est monté au ciel. Tout ça, on donne les conditions, tout ça. Mais dans la révélation, on va dire non. Et dans la doctrine aussi. On va dire dans la révélation, tout ça, c'était l'ombre de l'enlèvement de l'Église. Mais dans la doctrine, on va dire que personne n'est monté au ciel. Vous comprenez les choses maintenant? Acclamez Jésus! Voilà pour la prophétie. C'est bon? Ok. Donc je vous lis ces éléments. Donc, il faut dire d'emblée que la parole de Dieu dans son entièreté est la prophétie par excellence. J'ai déjà dit ça, mais je veux qu'on utilise encore ça. Il faut dire que la parole de Dieu est même la prophétie par excellence, parfaite. De Pierre 1, le verset 18 à 19 à 21. De Pierre 1, verset 18 à 21. Elle-même, la prophétie par excellence. La prophétie par excellence. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21. Je lis le nom de Jésus. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est clair, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, ici, nous sommes en train de comprendre que la prophétie est comme c'est la parole de Dieu. C'est une étoile du matin qui donne un signe. Donc, quand on parle de prophétie, on voit un signe. Une étoile brillante. Un temps. Une saison. Voilà. Donc, la prophétie, le langage de la prophétie, quand on parle. C'est une prophétie qui signale un temps qui arrive, qu'on était prête. C'est pourquoi Esaïe a parlé d'Esaïe dans 5 ans, le fils sera donné, etc. Et quand on va expliquer, on va entrer dans le verset, l'accomplissement du verset. C'est-à-dire passé. C'est toujours dans le langage de la prophétie, mais pas révélation. C'est la révélation qui nous amène dans la prophétie. Sinon, en réalité, c'est déjà accompli. Accompli déjà. Mais ça, c'est la révélation. Mais s'il y a une prophétie qui n'est pas encore accomplie, pour l'interpréter, c'est pas prophétie. On peut l'interpréter. Voilà. On continue. Hier, avant-hier, on a dit que l'évangile ou la prédication de Jésus-Christ est une prophétie. Ou bien? Voilà. «
Maintenant, il existe une branche, ou bien la prophétie, non, la prophétie est une branche spéciale dans l'enseignement. Le langage de la prophétie est une branche spéciale de l'enseignement, de la parole. La prophétie, le langage de la prophétie est une branche spéciale de l'enseignement de la parole. De l'enseignement de la parole. Mais tout enseignement dans l'évangile, tout enseignement de la parole n'est pas forcément parlé par prophète. Vous voyez que chaque fois on fait cette déduction. Oui, qui a remarqué, depuis le premier jour, on fait déjà ce genre de déduction. Même ce matin, on en a fait. Ou bien, acclame Jésus. C'est ça pour nous permettre de comprendre. C'est ça l'enseignement fait. Celui qui enseigne, il fait ses déductions, il fait des comparaisons. En fait, c'est ça, on parle de la sagesse. On fait la part des choses. On ne peut pas englober tout ensemble. On dit, qu'est-ce qui concerne le domaine qu'on dit, on explique. Qu'est-ce qui n'est pas dedans? On met à part. On n'engloube pas tout à la fois. Vous m'allez désordonner. Une branche spéciale de l'enseignement de la parole. Mais tout enseignement de la parole n'est pas forcément le parler par prophétie. C'est clair? Oui. Ok. Gloire à Jésus. La prophétie est aussi un style. Qui exploite le calendrier de Dieu? L'horloge prophétique. La prophétie est un style, est aussi un style, mais qui? Parce qu'on avait dit la conscience est un style. On dit que la prophétie est un style. Est aussi un style, virgule, mais. Qui exploite le calendrier divin? Encore appelé l'horloge prophétique. L'horloge prophétique. La portion d'écriture interprétée La portion d'écriture est interprétée de manière ou d'une manière à faire ressortir la façon dont Dieu a agencé les événements au cours de l'histoire, virgule, dans le passé, le présent et leur accomplissement dans le futur. Afin de faire ressortir, de manière à ressortir, la façon dont Dieu. C'est pourquoi je dis que ce langage de la prophétie, c'est d'abord une révélation. Avant d'être prophétie d'une manière prédicative. Événements.
Il y a des J. Ah, ouais. C'est ça. Les événements. Les événements. Dans l'histoire. Les événements. Dans l'histoire. Au cours de l'histoire. De l'histoire. Dans le passé. De l'histoire. Et leur accomplissement total dans le futur. Donc, parler par prophétie, c'est de consulter et dévoiler l'agenda de Dieu, le conseil divin, dans tous les temps. Du passé au présent et du présent au futur. C'est bon? Parler par prophétie, c'est consulter et dévoiler l'agenda de Dieu dans tous les temps ou dispensations. On dit pas tous les temps. Du passé au présent et du présent au futur. Tu... L'agenda de Dieu. Dans tous les temps. Dans tous les temps. Du passé au présent. C'est bon? Ok. J'ai déjà dit ça, je cite encore. Quand on parle par prophétie, on dévoile la pensée de Dieu cachée dans l'écriture par le recours. Non, tu n'as pas besoin d'écrire. J'ai déjà dit. Quand on parle par prophétie, non seulement on dévoile la pensée de Dieu cachée derrière dans l'écriture, d'où le recours à la branche de la révélation. Mais encore et surtout, l'on place l'événement interprété dans son temps d'accomplissement. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle l'œil prophétique. Hier, on a parlé de l'œil de la révélation, qui est une voix qu'on entend dans l'esprit pour donner une révélation de la parole, pour interpréter la parole. Mais aujourd'hui, l'œil prophétique est aussi l'œil qui voit les choses qui s'accompliront et les explique dans leurs conditions. Dans l'œil prophétique, recherche dans l'écriture un événement prophétique. Notez, l'œil prophétique recherche dans l'écriture un événement prophétique à travers les images, les symbolismes, les allégories. C'est comme, vous voyez que la prophétie, est un peu récente, c'est ça un peu la révélation. Ouais, non. Seulement que ce qui différencie, c'est que la prophétie parle de l'accomplissement dans le futur. Or, la révélation parle de l'accomplissement du passé, mais dans le présent. Donc, c'est clair. C'est ça la différence. Sinon, c'est presque la même chose. Seulement que dans la prophétie, on enseigne beaucoup les conditions. On parle beaucoup aussi, pas de la foi. Mais on enseigne les conditions. On parle beaucoup aussi par connaissance dans la prophétie. C'est les, vous voyez que c'est les trésors, hein?
Ou bien c'est pas des trésors. Grand trésor que vous êtes en train de recevoir pour ça. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de ces choses. C'est ça qu'on appelle l'interprétation des Écritures. Ça tu peux pas être. C'est ça que le ministère doctoral, c'est cette branche, c'est ce domaine, c'est notre domaine ça. Mais vous aussi, comme vous êtes aussi ministre de la parole, ce n'est pas seulement les docteurs de la parole, mais tous les appelés, tous les ouvriers, tous les ministres de la parole doivent exercer dans ce domaine. Pourquoi? Parce que c'est le ministère de la parole. Tu peux être ministre de la parole et te démarquer, te détacher de ça. Tu seras dans l'erreur, dans le brouillon. Et tu vas toujours, ta vie chrétienne, ton ministère sera toujours dans les disputes de mots. Tu vois un mot, tu dis c'est quoi ça? C'est charnel. Ou arrêter ça, son sens dans l'interprétation. Souvent dans l'interprétation, moi je dis souvent à quelques niveaux que les oiseaux du ciel sont les anges. Ailleurs, on peut dire autre chose. Ça dépend de plusieurs. Vous voyez que c'est comme ça la parole de Dieu. Celui qui n'est pas dans la révélation de la parole de Dieu, l'interprétation en global, quand il entend ça, pour lui c'est déjà, c'est quoi ça, il dit quoi? Où c'est écrit? Alors, il y a plusieurs versets qui sont cachés, mais qui en bas, il faut creuser par révélation. Quand une révélation, c'est d'abord lisible, c'est d'abord caché, et c'est l'esprit qui révèle. Dans l'œil prophétique, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, mais que Dieu a donné à ceux qui l'aiment. L'œil prophétique recherche dans l'écriture un événement prophétique à travers les symbolismes, les images, les allégories. Parce que cette interprétation, on confond parfois la prophétie à la révélation. C'est ça que je vous ai dit. Vous avez écrit ça? C'est bien écrit. Quoi? Les allégories. Ah, vous m'entendez encore? Non? Image, symbolisme. Les images, symbolisme. Les symbolisme aussi. Donc, dans cette interprétation par prophétie, l'on pourrait confondre le parler par prophétie au parler par révélation. La parole de Dieu est douce comme du miel. Quand on va finir par doctrine, nous allons prendre une pause, se reposer, revenir pour parler des saints mystères et après faire une prière de nuit. Voilà, une prière de soirée, de nuit. Voilà. Là, on sait qu'on a fini avec les 3 jours. Gloire à Jésus. Ou bien on continue demain. Il y a d'autres programmes demain. Vous avez déjà reçu l'essentiel. Même si on ne continue plus là, on a déjà parlé de tout. Hein? Ou bien, tout est dit. Tout est dit. Ça vraiment. Excusez-moi. Parlez pas pour mes gens. Voilà, il faut que c'est bien le maquis. Voilà. Ok, lisez-moi. Dieu prophétie le rejet dans l'écriture, un événement prophétique à travers les imaginations, les abolés, symbolisme. Dans cette interprétation par prophétie, l'on pourrait confondre le parler par prophétie ou parler par révélation. Ok, au parler par révélation. C'est pourquoi il est mieux de dire que le langage de la prophétie se sert du langage de la révélation.
Donc, ne parlez pas révélation là. C'est-à-dire, révèle tout. Englobe tout. Et montre les comparaisons. Mais celui qui ne parle pas prophétie, lorsqu'il a le regard de la prophétie, quand il ne parle pas révélation, on doit sentir en lui qu'il marque les temps. C'est ça la différence. C'est pourquoi parfois dans le parler par révélation, on attend aussi le parler par prophétie. Celui qui ne parle pas révélation, parfois quand il parle des temps là, il est en train d'instant de parler par prophétie dedans. Seulement comme c'est la révélation, c'est le lieu passé et le présent. Donc la révélation se sert aussi du parler par prophétie. Le parler par prophétie se sert aussi du parler par révélation. Parce que ce qui identifie le parler par prophétie, c'est que c'est les temps. Le parler par prophétie marque les temps et les conditions dans lesquelles les choses se passent. Du passé, présent, les trois temps jusqu'au futur. Mais parler par révélation, va parler. Si tu ne connais pas les temps là, tu vas parler par révélation, c'est très bien. Tu vas parler par révélation. Mais on ne saura pas le temps dans lequel, par exemple, on dit que Jésus, c'est lui, le Christ est le rocher. J'explique. Mais si j'ai le langage de la prophétie, je parle pas, j'ai la grâce de parler par prophétie, j'identifie que non. C'était au désert, lors du temps de la loi. Est-ce que vous voyez? J'utilise le parler par prophétie dans la révélation, mais dans le passé, comme c'est dans le domaine de la révélation. Donc, c'est bon, de la même manière dans le langage de la poésie, on se sert du parler par révélation pour venir dans l'accomplissement. Dans le parler par révélation, on se sert aussi du parler par poésie. Mais toujours dans le passé et présent. Qui a compris? Vous comprenez? Comprends? Oui. Ah, je suis très content. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il y a des exemples à donner. Sur le parler par prophétie, mais je vais laisser. Et on va entrer dans le parler par doctrine. Il y a des exemples à donner. Les photographies. Après, on va donner les enseignes. Doucement. L'autre là, c'est déjà pris, non? Le premier tableau. Oui. Ah, apôtre. Oui. Attendez, passez un peu. C'est pas pris? C'est pris, mais c'est peut-être une histoire d'un peu sur le site. C'est peut-être une histoire sur le site. Et là, bien passé. Et dans ce rang, ils ont joué. Ils ont joué. Excuse-moi. C'est bon? J'ai bien envie de donner des exemples, mais vous connaissez, vous avez déjà trop d'exemples. Amagédon, tout ça, parler de des choses qui. Tout ça, vous connaissez déjà trop. Les sauts, tout ça, c'est le parler pas possible. Même si c'est de la révélation des temps, un peu. La Gog et Magog, l'enlèvement de l'Église, et tout ça. C'est ça les théologiens. Appelle, comment on appelle cela? L'eschatologie. L'eschatologie. C'est ça l'eschatologie. Sinon, nous, on dit ça, parler par prophétie. Voilà. Ne parlez pas prophétie, le langage, ça c'est littéral. Mais quand il dit eschatologie, c'est pas satanique, hein. C'est un mot français. C'est un mot français. C'est quoi? Il dit que tout ce qui vient de là-bas n'est pas faux.
Vous comprenez? Mais il y a d'autres interprétations qui sont charnelles, littérales. C'est ceux qui nous condamnent. C'est clair? Ok. Ok, ne parlez pas d'autrui. Ne parlez pas d'autrui là, c'est le haut niveau, hein. C'est le haut niveau, hein. Mais en tout cas, je vais vous donner les différentes définitions. Parlez pas doctrine virgule, c'est parler par doctrine, ça consiste à sonder. Ça, c'est révélation. Parler par doctrine, c'est enseigner. Enseigner les éléments de la parole de Christ. Ou les éléments de la doctrine, les éléments, on va dire les éléments de la parole de Christ. La foi, le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel. Ça, c'est la doctrine. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle les éléments de la parole de Christ. Donc, parler par doctrine. Parce que les éléments, c'est des choses primaires. Qui constituent des. Qui constituent pour nous des doctrines. Voilà. Donc, parler par doctrine, c'est enseigner les éléments de la parole de Christ. De la parole de Christ, virgule, les fondements de la vie chrétienne. Selon la volonté de Dieu. Point. Parler par doctrine, virgule, c'est basé sur l'analyse de la parole, sur des principes de la vie en Christ. Dans la grâce. Point. Les principes de la vie en Christ, dans la grâce. Point. Vous comprenez déjà, hein? Les éléments de la sainte doctrine. Ça, c'est parler par doctrine. Je relis. Parler par doctrine, c'est enseigner les éléments de la parole de Christ, les fondements de la vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Parler par doctrine, c'est baser. C'est. Basé de. C'est de basé. Donc on nous met le 2. C'est basé. Vous comprenez déjà, non? Non. Basé l'analyse de la parole. Basé l'analyse de la parole. Donc, et agrossissez un peu le basé. C'est basé. C'est basé, parler par doctrine, c'est basé l'analyse de la parole
sur le principe de la vie en Christ dans la grâce. C'est là où on parlera du sacerdoce royal. La nouvelle alliance, l'ancienne nouvelle, surtout la nouvelle alliance. On peut se servir de l'ancienne comme ombre dans la révélation pour introduire la doctrine. Mais ici, c'est surtout la dispensation de la grâce, le sacerdoce royal et encore la nouvelle alliance. On appelle parfois aussi le sacerdoce christique. C'est ça, non? Christique, parce que c'est lié à Christ. Le sacerdoce de Christ. Ou bien d'autres l'appellent l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est clair? Voilà. Ouais. Parler par doctrine, c'est de détailler les normes qui régissent. Déjà, on a déjà dit ça. Enlevé. Voilà. La doctrine est l'ensemble des exigences de la parole de Dieu pour une bonne relation de l'Église avec le Saint-Esprit. La doctrine, est l'ensemble des exigences de la parole de Dieu pour de l'Église, pour une bonne relation de l'Église avec le Saint-Esprit. Point. La doctrine dévoile les droits et devoirs. Les droits et devoirs. Le droit, vous comprenez, non? Les droits, c'est ce qu'il doit, l'Église, les promesses, les choses que l'Église doit hériter par grâce et les devoirs. Donc, dans la doctrine, on a deux types de doctrines. Les doctrines qui sont liées aux choses que Dieu ne donne pas sa grâce et des choses que nous ne faisons pas la foi. C'est ça la doctrine. Donc, quelles sont les choses que je ne donne pas grâce? Donne-lui le micro. Dans la doctrine, les éléments de la doctrine. Mais qui ne sont pas des devoirs, des exigences pour nous, mais c'est des choses que Dieu nous donne par la grâce. Mais qui sont dans la doctrine. Amen. Précisez bien le tableau. Dans la doctrine, il y a des choses que Dieu nous donne par grâce et des choses que nous pratiquons, que nous devons faire par la foi. Voilà. Quelles sont les choses que Dieu nous donne par grâce, qui sont des doctrines de la vie chrétienne que vous connaissez? Gloire à Jésus. Nous pouvons parler de la nouvelle naissance. Voilà. Est-ce que c'est nous qui nous donnons la nouvelle naissance? C'est la grâce qui donne la nouvelle naissance. Donc, on fait un petit tableau dans la doctrine. Faites comme ça. Un petit tableau. Donc, vous faites les choses, la doctrine. Écrivez d'abord ça. Point. La doctrine est l'ensemble des choses que Dieu nous donne par grâce et des devoirs. Les choses que nous devons faire par la foi. Hein, après la nouvelle naissance. Donc on va faire un petit tableau et classifier un peu. Là vous allez comprendre la doctrine. C'est bien? Après la nouvelle naissance, nous pouvons parler de la régénération de l'esprit. La régénération. Oui, la régénération. À part ça, nous pouvons aussi parler de l'onction que Dieu communique pour accompagner le mystère. Ok. Et qu'on va dire, on peut dire prédestination. Prédestination. Élection. Adoption. Rédemption. Ça, c'est les choses que Dieu ne donne pas grâce, mais qui sont dans le langage de la doctrine. C'est quoi? Quand vous relancez la doctrine, sachez quoi, de quoi est-ce que vous dites? Quand vous essayez de faire ça, vous devez maintenant savoir comment c'est la Sainte Doctrine. Par le Saint-Esprit. Vous devez faire la part des choses. Dans la doctrine, il y a des choses que Dieu ne vous donne pas grâce.
La repentance aussi, c'est Dieu qui nous donne la repentance. Mais nous aussi, on a une part dans notre repentance qu'on appelle le renoncement. Dieu donne la repentance aux nations, mais pas notre renoncement. C'est notre renoncement que parfois on appelle repentance. Notre propre repentance, pas la foi. Sinon, en réalité, la repentance, c'est Dieu qui donne, pas l'esprit. En réalité, c'est la prédication de Jésus qui te donne la repentance. En réalité, la repentance, c'est renoncer au monde et recevoir Jésus. La repentance, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, ta vie est changée. Et c'est ça le renoncement, en quelque sorte. Ça, on appelle la repentance. Répentez pourquoi le roi de Dieu est proche. La repentance vient changer un système de pensée. Avant, votre système de pensée était sur la loi de Moïse. Maintenant, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Or, qui est la bonne nouvelle? Jésus. C'est pourquoi le premier message, c'était de présenter la bonne nouvelle de la repentance. Pourquoi? Jésus dans Matthieu 4, 17 dit, répentez-vous car le roi de Dieu est proche. En réalité, il est en train de leur dire, le temps est venu, le roi de Dieu est proche. Parce que c'est proche, pourquoi c'est proche? Je m'en vais à la croix. Après 3 ans de mission, je vais à la croix. Et c'est là le roi de Dieu sera établi sur la terre. Or ce royaume, c'est l'église. Donc répentez-vous, vous juifs. Le roi de Dieu est proche. Écoutez la bonne nouvelle. Laissez le judaïsme. Et répentez-vous de recevoir Jésus. C'est ça la repentance en quelque sorte. La conversion de vie. Tu étais dans le royaume de Satan. On te prend, on t'a mis dans le royaume de Dieu. C'est ça la repentance. Selon Dieu, par la grâce. Et selon nous, par la foi. Où est la doctrine? Quelqu'un peut me dire encore une doctrine. Maintenant, on a déjà compris hein? L'adoption, justification, régénération, sanctification. Ça, c'est les doctrines que Dieu donne par grâce. Qu'il manifeste par grâce comme des droits. Maintenant, quelqu'un peut me dire des doctrines qui sont de notre devoir. Dans le langage de la doctrine. Papa dit la foi, c'est vrai. La foi est le premier élément de la sainte doctrine pour en tant que dévoi du croyant. Donc c'est aussi une doctrine, mais c'est pas d'abord. C'est Dieu qui booste la foi, on sait bien. Mais c'est la grâce qui booste la foi. Mais la foi, c'est nous qui devons la manifester. C'est toujours la doctrine. L'obéissance, la doctrine. Renoncement, fidélité. Oui, fidélité. Pardon? Oui, la sanctification, c'est d'abord Dieu qui le donne, par grâce. C'est la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a une sanctification que nous sommes appelés à faire. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Cette sanctification, c'est quoi? C'est de nous maintenir dans la foi, de ne pas quitter Christ, de continuer à pratiquer la parole. Donc, c'est ça que j'appelle obéissance. Donc, ce que le frère Jacques appelle sanctification là-bas, moi je l'appelle obéissance. Ce n'est pas ça d'abord la sanctification. Parce que la sanctification, c'est Dieu qui sanctifie l'esprit, l'âme et le corps, mais pas mon obéissance, pas mon renoncement. Donc, mon obéissance et mon renoncement est la volonté de Dieu que j'appelle sanctification. Sinon, en réalité, ce n'est pas ça d'abord la sanctification, selon la sainte doctrine. Quand vous prenez le document, vous allez voir l'explication. Ce n'est pas ça d'abord. Vous voyez? Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà la sainte doctrine. Ça c'est le langage. Vous voyez tout ça a changé. Oui, c'est des choses qui sont vraies. Donc on ne parle plus des explications, tout ça. Mais on est venu sur. Parce que la doctrine est liée au salut. Donc on est venu sur un autre point. Vous voyez tout ça a changé. Le langage a changé maintenant. Acclamons. C'est bon. On voulait classer, mais vous voyez que vous êtes fatigués. En classe, on laisse, non. En classe, classé. Au moins trois éléments. Là, pour montrer la différence simplement. Mais faites un petit tableau. Les choses, la doctrine, vous mettez sur. Je vous montre comme ça. Doctrine. Les choses que Dieu donne par grâce. Et les choses, les devoirs du croyant, par la foi. Et vous mettez les éléments ici. Trois éléments. Et vous fermez. Et vous mettez salut. Ou mais non, vous mettez. Non, vous laissez salut. Laissez ça. On n'a pas besoin. C'est bon? Vous comprenez le tableau? Oui. Voilà.
Vite, vite. Pendant que vous sentez de faire le tableau, moi, cite-lui les éléments. Hein. Trois éléments de la grâce, hein. Adoption, prédestination, rédemption, adoption, vivification, tout ça. Tout ce que la grâce fait. Et après, tu lui cites tout ce que nous, on doit faire par la foi. Obéissance, renoncement, persévérance. Et l'évangélisation. Oui, évangélisation, tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Obéissance, renoncement, persévérance. C'est ça notre sanctification. Hein. Répentance, oui. On a dit, on a expliqué la répentance, il y a deux volets. D'abord, Dieu ne donne pas la grâce, mais nous aussi, on doit renoncer. Donc, notre répentance, c'est en réalité le renoncement. Sinon, ce n'est pas d'abord nous qui nous répentons, c'est Dieu qui crée en nous la répentance par l'évangile de Jésus. Si tu reçois Jésus, c'est là la répentance, selon la sainte doctrine. Maintenant, quand tu reçois Jésus, c'est le repentance de Jésus qui crée en toi un renoncement par la foi. C'est ça qu'on appelle notre repentance. Où est-ce que moi je fais la part des choses? Est-ce que j'embrouille tout? Voilà, c'est ça l'enseignement. On n'embrouille pas les choses. On précise, on fait une exposition, on cite, et on détaille. On fait des précisions. Donc, nous sommes dans le langage de la doctrine. Vous voyez que tout a changé. Tout a basculé. Nous sommes dans un autre univers maintenant. Et vous allez mettre à la fin, etc. Pour chaque colonne, etc. etc. Là, les gens sauront que ce n'est pas toutes les doctrines de la vie chrétienne, ça. Adoption. Sinon, on devait classer en ordre, mais vous ne faites pas ça en ordre. Sinon, il y a un ordre dans lequel il a fait ça. Moi, j'aime l'organisation dans la doctrine, mais c'est pas grave. Ce n'est pas en ordre. Il faut qu'on précise que c'est pas en ordre. Continue. Sinon, ça va donner une tâche, mauvaise tâche à ce qu'on fait. D'abord, il ne faut pas négliger quand vous enseignez la doctrine, ne négligez rien. Parce que tout doit être organisé. La Bible doit savoir que après rédemption, c'est. Attends. Après régénération, c'est ça. Après justification, c'est ça qui vient. C'est ça qui va croître dans sa vie chrétienne. Il quittera chaque étape. Mais si on met comme ça, brave comme ça, il ne peut jamais savoir. Il sera embrouillé lui-même. Mais ici, je tolère parce que vous voulez qu'on mette ça comme ça. Ça va prendre du temps aussi. Donc, on met, et après on met, NP, ce n'est pas en ordre. Prédestination, adoption, c'est bon. Vivification, régénération, vivification. Tout ça, c'est les choses que Dieu lui donne par grâce. Quand vous lisez Actes, on dit que Dieu donnera la repentance aux nations. Ça, c'est Jésus. Qui est la répentance. Quand on dit Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification, ça ce n'est pas d'abord notre sanctification, mais c'est Jésus. Recherchez Juif. Le contexte de ce verset d'abord qui dit Juif, parce que le verset adresse aux Juifs. Recherchez la paix et la sanctification, le prince de paix c'est qui? Jésus. La sanctification c'est qui? Jésus. Alors, recherchez Jésus, sans lequel vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Ça, c'est d'abord ce que Dieu lui fait. L'autre, là, c'est ce que Dieu lui a fait. Il a bien fait en donnant Jésus la grâce. Mais le reste, en donnant la sanctification, le reste, c'est toi qui dois le rechercher. Pas la soif d'écouter la parole. Lorsque tu écouteras la parole, Jésus entrera d'abord dans ton cœur. On ne commence pas la repentance et la sanctification sans Jésus. D'abord, le cœur doit être converti par Jésus d'abord. Et c'est là, le cœur converti, le cœur recevant, qui reçoit la parole, qui reçoit ainsi la repentance et qui vit la sanctification. Tu ne peux pas te sanctifier sans Jésus. C'est pourquoi on ne commence pas par prêcher la sanctification. Donc, prêche d'abord Jésus avant de prêcher la sanctification. Si la personne n'a pas Jésus, comment il sera saint? Or, c'est le saint qui peut vivre la sanctification. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas vivre la sanctification. C'est le menuisier? Non. C'est les maçons qui construisent.
C'est ça, non? Les maîtres enseignent. Est-ce qu'on enseigne avant de devenir maître? Il faut d'abord maître avant d'être enseigné. C'est le président qui préside. On ne préside pas avant de devenir président. On est président avant de présider. C'est pourquoi on doit prêcher Jésus d'abord. Il doit être un chrétien recevant Jésus dans son cœur. C'est là où on commence. Et Jésus lui donne la repentance par notre prédication. Donc on prêche la repentance. Quand on prêche la repentance, on lui donne Jésus. Quand on prêche Jésus-Christ, quand il reçoit Jésus maintenant, il peut maintenant vivre une vie de sanctification. Sinon, on se voit prêcher comme les bouddhistes. C'est clair? C'est comme un porc qui est dans la boue. Le porc est dans la boue. Tu viens vers le porc. Tu gardes le savon. Tu ne lui donnes pas le savon. Tu ne lui donnes pas l'eau. Tu gardes, toi tu le laves et tu te retournes. Quand tu te retournes, il va retourner dans la boue. C'est pourquoi quand on prêche la sanctification aux païens là, qui ne peut pas marcher selon Jésus, on prêche d'abord Jésus-Christ avant qu'il vive la sanctification. C'est ce que la sainte doctrine dit. Quand vous voyez la parole, vous allez voir ce que les apôtres ont fait. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner pour qu'il soit toujours saint? Je lui donnerai le savon et l'eau. Je le laisserai et quand il est lavé, d'abord je le lave d'abord avec le savon et l'eau. Je ne garde pas le savon, je lui donne le savon et l'eau. Et je le quitte. Alors il se lavera toujours. D'abord même, il ne pourra même plus. Mais il se lavera toujours au cas où il entrera encore. Mais je lui dirai, n'entre pas encore. Mais je sais que ça peut arriver. Parce que c'était pour lui une habitude. C'est ça, Jésus est venu avec de l'eau, l'esprit et le sang. En réalité, l'eau, l'esprit et le sang, c'est l'eau et le savon. Jésus nous a lavé avec de l'eau et le sang. Le pain, la parole et le vin. Il nous a lavé d'abord. À la croix. Et ce que, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. C'est là maintenant, il nous donnera nous aussi l'eau, le savon. Pour demeurer dans la sanctification. Alors, si je vais vers un païen, il est dans la boue, il est péché, il est souillé. Je lui prête d'abord Jésus. Lorsqu'il reçoit Jésus, je lui prêche la repentance. Lorsqu'il se répand, Jésus entre dans son cœur. Et lui qui était pécheur devient un juste. Et quand il deviendra juste, il va vivre une vie de justice. Quand il deviendra saint, pas Jésus, pas la parole. Quand l'Écriture dit, vous êtes saint, pas la parole que je vous ai annoncée. Purifiez-les par la parole. Père, car la parole est la vérité. La vérité, car la vérité, c'est la parole. Il doit être sanctifié d'abord, afin de sanctifier ton église. S'il est saint maintenant, il vivra la sanctification. Gardez la sanctification. C'est pourquoi on dit que le salut ne peut pas se perdre. Et c'est pourquoi on dit que le salut ne doit pas se perdre. Vous voyez, mais parfois, ça se perd. Pourquoi? Parce que quand tu es sauvé, tu ne dois pas perdre ton salut. Normalement, c'est ça, non? Quand tu laisses Jésus, tu as perdu ton salut. Alors, c'est parce que tu avais le salut qu'on te dit de ne pas perdre le salut. Parfois, on dit les choses et nous, on ne raisonne pas. Si tu n'avais pas le salut là, pourquoi on va te dire de ne pas le perdre? C'est ça, mon cœur, quand nous venons en Christ, nous avons le salut. L'assurance du salut, c'est maintenant que nous allons vivre une vie conforme à ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi nous, nous sommes déjà juste déclarés saints. Le reste n'est pas une vie pour souiller notre robe. Parce que notre robe a été lavée par le sang de l'agneau lorsque nous avons cru en Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que le saint pratique la sainteté, que le juste pratique la justice, que le pécheur pêche encore. Cela ne veut pas dire que le Seigneur lui dit de faire ça. Parce qu'il sait que le pécheur, là, il n'est pas juste. Il sa vie, là, c'est le péché. On ne pratique que ce qu'on est. C'est le juste qui pratique la justice. C'est le saint qui vivra la sanctification. C'est pourquoi, alors, sanctifions-les d'abord par la parole, par l'évangile. Et quand l'évangile les sanctifiera, et la parole les purifiera, ils seront saints et sauvés. C'est là maintenant, la vie de la parole
en eux va commencer par se manifester tous les jours de leur vie. Pour ne pas perdre le salut, ils demeureront dans la sanctification. Parce qu'ils sont appelés à la sainteté. Que la gloire soit due à Jésus. Ça, c'est la doctrine. Vous voyez, c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est ce que la doctrine dit dans la parole. Étape, les choses doivent être étape par étape, rien n'est précipité, rien, tout est étape par étape. Donc, c'est un exemple, hein, voilà. Et à foi, obéissance, renoncement, persévérance, évangélisation. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Soyez bénis. Donc, c'est bon, la bien-aimée en vue. Mettez, etc., etc. Etc., etc. 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 Et là, les gens sauront que c'est pas la sainte doctrine ne se limite pas à ça. Il y a plusieurs autres éléments de la sainte doctrine. Déploiement aussi, c'est dans eux de la foi. Ouais. Ouais, ici, c'est brisement. Ici, c'est Dieu qui fait le brisement par la grâce. Il brise la chair pour que l'esprit soit sauvé. Bon, nous sommes voilà, c'est bon maintenant. Donc, on va donner les autres définitions de la doctrine. C'est bon? Ok, c'est bon. Acclame Jésus. Il est correct de préciser ici que nous ne parlons pas de la parole de Dieu dans sa totalité. Parce que nous avons dit que la parole de Dieu est composée de quatre langages. Que la parole de Dieu est composée de plusieurs éléments. Voilà. Ici, c'est la doctrine, c'est la sainte doctrine. Hein? En effet, la sainte doctrine n'est autre que l'ensemble de toutes les quatre dimensions de l'évangile. Donc, la sainte doctrine est l'ensemble des quatre langages. C'est pourquoi tout doit être reposé sur la sainte doctrine. C'est pourquoi toute révélation, connaissance, prophétie qui sort du cadre de la sainte doctrine, qui dévie, qui n'est pas pour notre salut. Parce que la sainte doctrine, c'est le salut. Donc, toute connaissance, prophétie, révélation qui sort du cadre de la sainte doctrine n'est pas pour notre salut. C'est clair? Voilà. Ensemble de quatre langages. Ou la dimension de l'évangile, révélation pour aussi connaissance d'autrui. Toute révélation, prophétie, toute révélation, connaissance, prophétie qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, n'est pas, ne contribue pas à notre salut. Ça veut dire que ça ne nous édifie pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler par révélation. Hein? On ne doit pas parler par révélation, parler par connaissance. Tous ont pour but de construire notre vie chrétienne. Voilà. Ou bien ne contribue pas. Titre 2, verset 1. Dis les choses conformes à la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine est l'enseignement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire.
Mettez Hébreu, Hébreu 6. Hébreu 6. Hébreu 6, verset 1. Lisez. On va classer aussi cette doctrine dans un tableau. Ça, c'est les béaba, les premiers éléments de la parole de Christ, les premiers rudiments, avant d'entrer dans la révélation, dans les mystères, dans autre chose. Hébreu 6, premier. Hébreu chapitre 6, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Commencez par la citer. De la foi en Dieu. De ça, les éléments de la parole de Christ, les éléments de la doctrine. Faites un petit tableau et mettez les éléments de la doctrine. Ça, c'est la doctrine, c'est le béaba. Or, après ça, il y a d'autres parties par révélation qui sont les mystères, qui sont la perfection même. La doctrine est bonne, hein? Mais quand on est dans la profondeur, dans la largeur, dans les autres dimensions là, dans la hauteur, tout ça, on voit que la doctrine qui est bonne là, c'est le niveau bas. Or, c'est, tout doit être basé sur lui. Donc, on dit que la doctrine est la pierre angulaire dont les bâtisseurs rejettent, mais qui est la principale de l'homme. Pourquoi les bâtisseurs rejettent? Parce que nous sommes dans un autre contexte. Je ne parle pas des juifs et autres. Nous qui enseignons là, on doit entrer, on doit laisser la doctrine, on doit poser le fondement de la doctrine. Et quand les gens sont dans la doctrine, là, nous laissons la doctrine et nous allons entrer dans la révélation, la connaissance et la prophétie, dans les mystères, dans la perfection, dans ce qui est parfait. Mais sans oublier que la doctrine est la pierre angulaire. Donc si nous avons posé la doctrine, on ne peut plus revenir sur la doctrine. Comme ça pour répondre, parce qu'on a déjà pris chemin pour aller. Mais on retourne souvent sur la doctrine pour puiser, parce que c'est là la base. Donc tout ce que je dis, qui est révélation, connaissance, prophétie, doit être basé sur la doctrine. Quoiqu'elle ne doit pas être toujours être le fondement, mais quand on quitte le fondement, on doit entrer dans la hauteur, dans l'élévation. Donc, le fondement, quand on pose le fondement, est-ce qu'on est toujours sur le fondement? Non. On quitte le fondement pour aller dans les autres dimensions, pour élever les colonnes, les quatre colonnes. Donc, l'un des colonnes est en même temps fondement. Cela veut dire que tous les autres langages doivent être basés sur la doctrine. C'est clair? Mais lorsqu'on est dans les autres langages, là, on enseigne, mais ça oublie que la doctrine existe. Mais on ne doit pas prendre la doctrine comme le seul langage à enseigner. Si on fait ça, on va même tuer. On cherchera à sauver, mais on tuera encore la croissance spirituelle. Parce que les autres langages, eux, travaillent pour la croissance spirituelle. Or, la doctrine travaille pour maintenir la personne dans la foi. La doctrine, c'est la croissance dans la foi. Mais la croissance spirituelle, c'est la révélation. Acclame Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Voilà, la foi en Dieu. Papa avait cité la foi en Dieu, comme le premier. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Là, on parle du baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On parle de l'absolution. On parle de. Du baptême au nom de Jésus, on parle. Citer les éléments de la doctrine de baptême, il y a plusieurs types de baptême. Baptême du Saint-Esprit, baptême d'aspersion spirituelle. Je parle de la vivification. On parle contre le baptême d'aspersion physique. Dans la doctrine de baptême, on parle dans toutes les dimensions. Le baptême du Saint-Esprit est dedans. Le baptême de feu aussi est dans la doctrine de baptême. Donc il y a plusieurs niveaux dans la doctrine de baptême. Ne citez pas toutes les autres, mettez doctrine de baptême simplement. De la doctrine de baptême, de l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est les béabères. Les béabères qui sont des fondements sur lesquels, quand on ouvre, on rappelle ça. Ça sent
sans toujours parler de ça, pour que le... Si on met ça comme un fondement, on parle toujours de ce fondement, toujours de ce fondement, toujours de ça, il n'y aura pas de croissance spirituelle. On va être dans la lettre, toujours dans la doctrine. C'est bien, dans la scripture, c'est bien. Mais spirituellement, on ne va pas grandir. On va toujours être au même niveau. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est bien la doctrine. C'est par là que la vie chrétienne commence. Et quand on quitte cette étape, on ne commence pas à tendre à ce qui est parfait. C'est comme tu mets une semence et cette semence germe. Après la germination, un peu, voilà. Un peu, ça commence à grandir, élever, pas l'arrosement, et ça devient une croissance. J'avais mis une photo dans un groupe. J'ai mis des plantes. Je ne sais pas si vous avez vu. On a semé un peu comme ça, après c'est venu comme ça, après comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est la vie chrétienne. Or, la doctrine, c'est le premier niveau. Mais si tu t'arrêtes toujours sur ça, là, l'Église, ils ne vont pas croire spirituellement. Ils vont être sur le fondement, oui, mais ils ne vont pas voler. Gloire à Jésus. Voilà. Imposition des mains et quoi? Imposition des mains, de la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Hein? Et du jugement éternel. Voilà les éléments de la doctrine de Christ. Maintenant, vous faites prêt et vous mettez ce qui est parfait. Ce qui est parfait. On va mettre les autres langages du temps. Et on va mettre tous les enseignements sur ces langages. Ce qui est parfait. Excusez-moi. En premier, il y a le renoncement aux autres. Ah, vous n'avez pas mis? Mettez ça ici. Le renoncement aux œuvres mortes. On met fondement ici. On met ce qui est essentiel. Ce qui est parfait. La doctrine est essentielle. Mais elle n'est pas totalement parfaite pour la croissance spirituelle. Vous comprenez? Ok. Et ce qui est essentiel. Rouge. Non, c'est bon. C'est bon, écrivez en bleu. C'est comme vous avez écrit ça en bleu. Qui est essentiel. Essentiel, voilà. Voilà. Faites comme ça. Ah, pourquoi me comprendre? Voilà. Mettez tous les enseignements. Mettez ton révélation. Les enseignements par révélation, connaissance, prophétie. Mettez pas relation connaissance seulement. Ici on met prophétie. On met avec et le langage de la prophétie. Ici. Mettez le bleu. Ou bien, faites comme ça. Et écrivez ici. Et le langage et la prophétie. Et le langage de la prophétie. Parce que la prophétie aussi, c'est dans l'essentiel. Pourquoi je dis comme ça? Le langage de la prophétie, ça rappelle. Parce que le jugement éternel aussi est dedans. Et je m'intéresse aussi, ce n'est pas d'abord la doctrine du salut, mais ça parle du futur, mais ce n'est pas dans ce qui est parfait. Est-ce que vous comprenez? Le je m'intéresse, ce n'est pas prophétie, mais c'est une doctrine. Donc on met ça, on met aussi le langage de la prophétie. Voilà. Ce qu'on va faire, là, on va mettre un astérisque ici, en rouge.
La révélation des morts, c'est le langage de la prophétie. Le jugement éternel, c'est le langage de la prophétie. Quand on a identifié ça, on met le noir ici. On met le bleu ici. Donnez-moi le noir. On va mettre autre chose. Gros point. Vous voyez? Au lieu de mettre tiré, on met gros point. Voilà. Vous marquez que ça, c'est les choses qui sont en noir, sont les éléments de la doctrine. Les choses qui sont en rouge sont la prophétie. Donc ce qui est parfait, c'est révélation, connaissance. Vous comprenez? Donc pour parler des choses spirituelles, on parle beaucoup pas de révélation et pas de connaissance. Surtout pas de connaissance à quelques fois là. Non. Surtout pour parler de certaines lois spirituelles. Hein? C'est la doctrine des lois spirituelles. Hein? Mais pour parler de certaines lois spirituelles, hautement spirituelles, ce n'est pas le langage de la connaissance qu'on le fait. On dit les choses de la nature. On ne comprend pas parler des lois spirituelles qui ont le pouvoir sur les lois naturelles. On ne comprend pas expliquer beaucoup de réalités spirituelles qui ne sont pas connaissances, mais qui ne sont pas d'abord pas révélations. Enfin, vous comprenez déjà. Voilà, le frère, j'ai compris ce que je dis. Vous comprenez déjà aussi. Vous mettez bien l'expérience. Si on veut, on peut préciser même encore. Vous faites comme ça. Aspiris. Et maîtriser prophétie. Prophétie, c'est ça. C'est plus clair. Quoi. Et ici, on fait comme ça. On met doctrine. C'est clair. Là, les gens vont. Ça sera pas très clair pour les gens. Ici, comme ça. Donc, la religion est une chose. Et faire comme ça. Et mettre un doctrine comme ça. Voilà. Donc, gloire à Jésus. Les quatre langues cachent quatre bras de l'éléphant. Jésus. Il y a beaucoup de choses à encore ajouter, mais je vais m'arrêter. Je vais vous aller ajouter simplement que je vais donner une connaissance maintenant. J'ai dit quelque part que la doctrine est l'ensemble des paroles de sagesse, non. Ça, c'est selon l'homme. Alors, nous devons pratiquer les paroles de sagesse. Maintenant, elle est composée, elle est inspirée, elle vient de la connaissance. Vous comprenez? La doctrine vient de la connaissance. La doctrine vient de la connaissance. Mais toute connaissance n'est pas une doctrine. On a déjà dit ça. Ou bien? Donc les connaissances forment une doctrine. Mais pour nous les croyants, l'ensemble, les paroles de sagesse sont un ensemble de doctrines. Donc notez que je vais dire quelque chose d'abord. La révélation et la connaissance sont les enfants enfantés par la prophétie, la doctrine et la prophétie. Ou bien la prophétie et la doctrine. Ce qu'on a appris ici, doctrine, prophétie. Révélation, connaissance. Et tous les enseignements mettent ici. Les mystères de la science de Dieu. Et ici, mettez la spiritualité, la connaissance de Dieu, du Fils et la spiritualité en Christ. Que je vous donne ce mystère de la science de Dieu, révélé, exposé. Parce que c'est déjà exposé. Connaissance. Voilà. J'ai dit pour connaissance. Voilà. Attends. Ce sont les enfants.
J'ai dit d'abord, j'ai dit spiritualité, mais j'ai d'abord dit, voilà. Je veux un synonyme de connaissance. Hein? Voilà. Savoir. 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 Savoir historique de la parole. Oui. Et la connaissance des choses spirituelles, ou bien la connaissance de la spiritualité en Christ. Il y a certains enseignements que je ne donne pas connaissance, mais qui ne sont pas l'histoire, l'historique, non. J'enseigne pas connaissance. Ça, c'est une inspiration que je donne. Je communique et c'est connaissance, je libère seulement. Vous comprenez de quoi je parle? Ça, c'est la percée, ça, c'est le niveau parfait. Qui n'est pas forcément révélation. Mais parfois, je dis la révélation. Donc, pour que tout aille à la perfection, c'est la révélation, la connaissance. Pour être dans l'essentiel, c'est la doctrine de la prophétie. Parce que la prophétie nous rappelle le retour de Jésus. La doctrine nous dit de pratiquer la parole. Et là, les deux vont nous maintenir dans la vie chrétienne. Les deux qui sont parfaits, c'est eux qui vont nous perfectionner. Donc, quand on dit perfectionner par la parole, c'est révélation, connaissance. Est-ce le fondement? Est-ce rappeler du ciel? De l'amagueton? Ça, c'est doctrine, prophétie. C'est clair? Vous voyez que la parole de Dieu dit, j'aime la parole, acclame Jésus pour la parole de Dieu. Vous voyez? Et notion de, sur la spiritualité, notion sur la spiritualité, mais notion sur la spiritualité en Jésus-Christ. Les choses spirituelles. Quand on dit spiritualité, c'est que c'est des choses spirituelles. Mais qui ne sont pas forcément communiquées par le langage de la révélation. Mais qui sont communiquées par le langage de la connaissance. Donc quand la personne parle, on dit qu'il connaît. Et quand je commence à enseigner par exemple, je dis, ah, lors du ciel, il y a le premier ciel, le second ciel. Il y a le royaume de Satan qui est la mer. Qui est dans la mer, sous la terre, ça c'est connaissance spirituelle, ça c'est la spiritualité, ça c'est aussi une connaissance. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas encore révélation, ce n'est même pas doctrine, mais c'est une connaissance, mais qui n'est pas historique, mais qui est spirituelle. Vous voyez les choses? Donc c'est ça. Quand on parle des anges, tout ça, ça c'est ce domaine, c'est la perfection, mais c'est la connaissance. Donc c'est ça qui est parfait, ça c'est ce qui est essentiel. Voilà. Moi j'aime souvent l'analogie. Quand vous mettez parfait ici, mettez aussi quelque part parfait ici. Non, pas parfait, essentiel. Voilà. Oui, c'est en roumain. On ne peut pas mettre ici et mettre ici et laisser ici. Donc ici, c'est bon. Mais moi j'aime que les choses soient exactes, quoi. Essentiel. Où est déjà comprendre? Du coup, il ne doit pas être ici en vérité. Là, c'est juste parle de ça et ça. Un peu la différence. Le point, c'est ça et ça et ça. Le point représente. Le point représente les éléments de la doctrine. Voilà les trois éléments de la doctrine. Maintenant, elle est ici, représente la prophétie. La prophétie. La prophétie. C'est clair. C'est bon? On est face à ça, on met ça ici. Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Voilà. Mettez. Essentiel, quelque part ici. Tire, flèche, comme ça. Tout quoi. Flèche comme ça. Et mettez essentiel. Là, c'est ça quoi. Dans l'enseignement, soyez exact. Ouais, non. On est exact. Rien n'est mélangé quoi. Tout est organisé. Rien, tout est ordonné. Donc nous disons que la prophétie et la doctrine, non, nous disons que la révélation et la connaissance ont été enfantées par la doctrine et la prophétie. Donc lorsque l'enfant vient en Christ, on lui donne la doctrine et la prophétie. Pour lui dire, la doctrine, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Rappelle-toi que le jugement arrive. Rappelle-toi que Jésus revient. Rappelle-toi que Satan est en colère. Et pour quand la guerre du Gog et Magog reste en Christ. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est le père
qui va enfanter le fils. Le père est dans un domaine caché. C'est ça les perfections. C'est pas que le père est un père imparfait. Le père est dans l'imperfection. C'est caché. Le fils est la perfection. Parce que celui qui a le fils est parfait. Le fils est parfait parce que le fils demande le père. Donc, la doctrine et la prophétie, c'est ça on premièrement. Donc, c'est ça l'essentiel. Qui est le père qui engendre le fils qui est le parfait? Or, le fils est la révélation et la connaissance. On dit souvent que le fils est la révélation et que le fils est la connaissance. On dit la connaissance sans du fils, la révélation du fils. C'est la révélation qui nous conduit dans la vie éternelle. La doctrine nous donne l'assurance du salut. Ça arrête là. La révélation nous amène à la vie éternelle. La connaissance nous fait vivre une vie spirituelle, une vie, c'est-à-dire épanouie intellectuellement, spirituellement en Christ. Ça s'arrête là. Donc la révélation et la connaissance sont les fils de la prophétie et la doctrine. La prophétie et la doctrine sont les pères de la révélation et la connaissance. Alors nous disons que le père, c'est Dieu. Le fils, c'est le Christ. C'est la révélation qui révèle le fils pour la vie éternelle. La connaissance dans les notions spirituelles qui concernent la vie dans le Christ pour la vie éternelle. La doctrine donne l'assurance du salut. La prophétie rappelle avant la doctrine, ce qui arrivera, c'est la prophétie. Acclame Jésus pour cette grande édition de la parole. Vous voyez que la parole est tous menée. Vous voyez que c'est. Vous ne voyez pas que c'est délicieux. Et tout est organisé, comme la science. C'est comme la mathématique. Il est banal. Tout est organisé. Il a déjà écrit. La révélation nous conduit à la vie éternelle. La connaissance donne la notion, les notions spirituelles. Les notions spirituelles pour vivre en Christ sur la terre. La connaissance, c'est pour qu'on ait la vie sur la terre, la connaissance des choses spirituelles sur la terre. Mais la révélation, la capture de la révélation, ça te révèle Christ, le Fils caché pour te mener à la vie éternelle. Maintenant, on a dit la doctrine, c'est l'assurance du salut. On a dit, voilà, enfanté par la doctrine. Non, je ne sais pas. Non, la révélation. Faites flèche. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Il faut que la flèche quitte à l'intérieur. Non, je veux que les choses faites ça. Non. Écrivez avec le noir. Oui, je vais faire quelque chose. Faites ça. Oui, faites les deux traits. Commencez par dedans. Commencez à l'intérieur ici. C'est clair. Là, les gens comprennent. La révélation et la connaissance. Enfantée par la doctrine et la prophétie. Qui sont le Père et le Fils. Le Père. Ici, on met le Fils. Vous comprenez? Oui. On va trier comme ça. On met le fils là. C'est que la doctrine et la prophétie a donné naissance à la révélation, à la connaissance. Voilà. Voilà. Mettez fils et mettez père. Fils. Et on va reformuler la phrase encore. Pour expliciter. On va expliquer. C'est ça l'enseignement. Pour être à monsieur, expliquer. Il doit comprendre. S'il ne comprend pas. C'est comme moi, quand je le fais, c'est pas quelqu'un ne comprend pas. Je dis, c'est lui qui ne veut pas comprendre. C'est lui-même qui a embrouillé sa pensée pour ne pas comprendre. Sinon, moi, je fais tout, j'explique. Je peux faire 1000 fois. C'est comme à l'école, non? Les professeurs enseignent. Il faut tout mettre à des gens qui ne veulent pas comprendre. Qui s'amusent, qui sont distraits et qui ont des mauvaises notes.
Mais parmi vous, là, tout le monde, je crois et je déclare que vous avez tous compris. Amen. Et l'Esprit même va vous s'enseigner après. Amen. Voilà. Amen à chaque du cœur. Alors, on est tout maintenant. La doctrine et la prophétie, la révélation et la connaissance sont le fils de la doctrine et la prophétie. Voilà, de la doctrine et la prophétie. Qui est le, qui sont le père? C'est bon? Avec ça, vous savez comment enseigner les gens. Quand les gens viennent, vous savez quoi le prêcher d'abord? Premièrement, la doctrine, la prophétie. Quand vous voyez que vous atteignez le niveau de maturité, c'est pas que le cas, c'est d'atteindre le niveau de maturité. Vous entrez dans la révélation, la connaissance. Il va grandir spirituellement. C'est clair? Voilà. Ah, papa, oui, on va écrire ça aussi. Il finit, on écrit ça. Là, on finit l'enseignement du jour. La première partie. La deuxième partie, on ne va pas trop durer. On va pas trop durer. Cette partie, on va juste. Vous connaissez déjà. C'est vous qui allez faire cet enseignement. Et ces ministères-là, on connaît. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. On connaît déjà. Est-ce qu'on a besoin de faire encore? Il y a des nouvelles notions. Pardon? On va pas lâcher. Ah, on fait. On a fait ça. Lui, il sait que quand, même si il dit je ne vais pas durer, lui, il sait que quand, même si il dit que je ne vais pas durer là, je vais durer. Non, c'est parce qu'on va, on va changer la donne. Mais l'esprit peut nous conduire à durer. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà les fils. Voilà. 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 Non, c'est ça. Donc, hein, la doctrine dans la soirée du salut. Tirez. La doctrine, on va s'en voir faire étape par étape. La doctrine donne l'assurance du salut. La doctrine donne l'assurance du salut. La prophétie rappelle les choses à venir. Pour faire quoi? Pour qu'on soit dans... On connaisse les choses qui veut se passer, que Dieu veut faire, que Satan veut faire. On peut dire quoi? La doctrine rappelle les choses à venir. La prophétie rappelle les choses à venir. Pour nous, pour dans l'essentiel. Afin que nous puissions nous conserver. Pour que nous soyons vigilants. Vigilant sur le temps. Voilà, on va parler du mot vigilance. C'est mieux que vigilance. Vigilance. Surtout quand on parle de prophétie, c'est surtout vigilance. Parce que quand on va dire que l'antichrist va arriver, donc on doit être vigilant. Vigilance, la prudence. Prudence et persévérance. Voilà, surtout quand on parle de l'enlèvement, ça c'est pour qu'on soit persévérant. Ah, l'enlèvement arrive. Donc le nouveau né là, on utilise le bébé spirituel, c'est le lait. La doctrine, la prophétie. C'est ça le premier enseignement qu'on lui donne. Quand on lui donne la doctrine, ça voit quand vous parlez trop de doctrine là, il sera chétif. Il va être sauvé, mais il sera vide. Il ne sera pas pourquoi il se. En réalité, la prophétie va dire pourquoi tu dois être dans la doctrine. Parce que la prophétie va dire que parce que Satan vient, parce que Jésus revient, parce que la Magédon arrive. C'est pourquoi. Est-ce que vous comprenez? L'un donne réponse à l'autre. Voilà. C'est la doctrine donne l'assurance du salut. La prophétie rappelle les choses à venir. Pour la vigilance. C'est bon. Pour la vigilance. La persévérance. La prudence. Maintenant, persévérance. Ah, c'est parce que c'est calé. Non, c'est bon. C'est dans la vidéo. On laisse. Ok. Maintenant, la révélation. Ah, on a déjà dit. Non, c'est bon, on a déjà dit pour la révélation. C'est ça, la révélation, c'est bon. C'est bon. Gloire à Jésus.
sommes à la fin. Il y a beaucoup de choses. Hein. Aaron et Moïse, il y a beaucoup de choses à révéler là. Il y a beaucoup de choses à révéler sur Léa, Rachel, Jacob et Esaü. Concernant les deux étapes. Mais nous allons vraiment laisser. Et déjà, l'essentiel a été dit. Donc, acclame Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus. Jésus. Alléluia. Maintenant, nous sommes moins. Ou bien? Nous sommes moins équipés pour le ministère. Pour le œuvrer pour Dieu dans le réveil. Voilà. Photographie bien, enfin j'ai son. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Tout le monde veut photographier. Waouh, c'est fort, hein? On va faire ça comme on va faire un film. Attends, laissez un peu le tableau en bas. Pour que nos bien-aimés approchent, zoomez un peu. Zoomez, commencez par zoomer d'ici. Et les restez un peu là. Et quand vous quittez là, vous venez en bas. Après vous quittez là. Ça c'est la doctrine. Et je vous ai montré aussi le processus, comment manipuler les cartes. Ou bien. Alors après, je vous ai montré comment on manipule les cartes langage. On commence par la doctrine et la prophétie. Après la prédiction, la révélation là. On sort le fils. Vous avez la photo, papa? Non. Depuis toutes les photos, vous n'avez pas? Bon, pour aujourd'hui. Envoyez à papa toutes les photos. Hein. À peu près, ça fera même plus de 8 photos. Hein. 17 de photos. Voilà. Que la gloire soit due à Jésus-Christ, Nazareth. Donc, il y a beaucoup de réalités. Ça, c'est les 4 voies de l'évangile. Donc vous savez comment l'esprit, vous allez au moins l'être équipé pour le ministère de la parole. Le reste là, on va faire, on va pas parler, on va juste donner apôtre, voilà l'apôtre, prophète, voilà l'apôtre, prophète, évangile, voici, ainsi de suite. On va partir de la révélation. Ok, gloire à Jésus. Ok, on va prier pour clôturer. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur, alléluia, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Encore ta présence, parce que c'est toi qui as le début et la fin. Merci Seigneur, merci pour l'inspiration, merci pour cette révélation, merci parce que tu nous as équipés, tu nous as édifiés, tu nous as remplis Seigneur de ta parole et nous sommes dans la joie. Oh Seigneur, toi qui es la parole, Seigneur, tu as manifesté puissamment ta présence. Oh, nous te disons merci, te rendons grâce.
Nous voici à la fin de cette phase, de cette première séance, de ce troisième et dernier jour du séminaire. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Nous prions à ce que, Seigneur, tout ce que nous avons eu à écouter, à appris, à noter, que cela soit gravé dans notre pensée, que cela soit gravé dans notre esprit, que cela soit rattaché à notre âme, au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions être renouvelés, le renouvellement de notre intelligence, afin que, Seigneur, tu puisses nous utiliser puissamment pour éclairer la nation. Oh Seigneur, notre Dieu, nous te disons aussi merci pour la vie des missionnaires que tu as envoyés. Tu passes par eux pour nous délivrer de ta parole. Nous te disons merci pour leur vie et nous demandons humblement de les équiper, de les remplir encore, de les protéger jusqu'à la fin de cette mission. Père très saint, nous te disons merci, sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés, vous qui avez suivi vraiment ce moment fort d'enseignement sur le ministère de la parole. Depuis le lundi, nous sommes dans le grand séminaire avec les appelés, les ouvriers, les ministres, le ministère de la parole. Au moins pour exercer un ministère de la parole. Et le Seigneur nous a équipés de sa parole, nous a nourris de sa connaissance. Nous sommes formés, spirituellement remplis, pour aller exercer un ministère de la parole pour la gloire de Jésus. Soyez bénis, c'est le docteur Silas, plus 229 67 96 00 94. Plus 229 67 96 00 94. Je suis disponible sur WhatsApp du groupe Jésus revient. Soyez bénis, shalom.